Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par le Cercle des élèves ingénieurs de l'École nationale d'agriculture de Meknès. Donc, j'ai le grand plaisir d'accueillir parmi nous ce soir Monsieur Jamel Hachim, consultant, formateur et conférencier en entrepreneuriat et accompagnement des projets d'investissement. Donc, c'est à ce titre qu'il interviendra ce soir sous un thème un peu spécial intitulé « Étudiants, créez votre entreprise, ne cherchez pas l'emploi ». Donc, avant d'attaquer le sujet de cette soirée, si vous voulez, je cède la parole à mon collègue Smail Chgor en tant que vice-président du Cercle des élèves ingénieurs. Smail, à vous la parole. Merci, ma collègue Hadil. D'abord, et au nom du Cercle des élèves ingénieurs, je tiens à remercier infiniment notre cher intervenant, M. Hakim Jamal, pour sa volonté, son esprit participatif, évidemment pour accepter notre invitation. Alors, afin de créer un débat de réflexion concernant un sujet qui nous intéresse tous, les jeunes ingénieurs entrepreneurs jouent un rôle fondamental dans une économie de marché, mais aussi dans toute autre économie. La présence des ingénieurs entrepreneurs permet d'accroître l'efficacité d'une économie, car ces derniers interviennent pour permettre et faciliter les transactions entre des agents dont les préférences et les disponibilités en ressources ne sont pas identiques. C'est pour cela que le Cercle des ingénieurs a trouvé que c'est nécessaire d'organiser ce webinaire pour développer cette réflexion. Alors, finalement, je saisis l'occasion pour remercier les membres du Cercle des élèves ingénieurs et tous les étudiants membres de l'association qui, dans cette période difficile, n'ont pas abandonné et lâché la continuité des activités du cercle, qui ont continué avec force de créer plus et plus chaque jour. Sans tarder, je donne la parole, collègues, à vous la parole. Merci, Othman. Donc, permettez-moi, chers téléspectateurs, de vous présenter mon invité et votre invité pour ce soir. Donc, Monsieur Jamal Hachim, qui est un ingénieur agronome, lauréat de l'IRD Hassan II et de l'Université of Minnesota, USA, Department of Agriculture, et titulaire d'un MBA en HCP et École Pont-Chaussée Paris. Mon invité est l'ex-directeur de stratégie dans était l'ex-directeur de stratégie pardon dans plusieurs banques. Il était l'ex-directeur de plusieurs caisses régionales, notamment à Rabat, à Marrakech, à Rica. Et c'était un ex-enseignant dans plusieurs écoles supérieures. Notre invité est fraîchement retraité avec plus de 30 ans d'expérience qu'il vient partager avec nous ce soir. Donc, sans trop tarder, je vous rappelle, chers téléspectateurs, que ce live est diffusé maintenant sur notre page Facebook, sera pardon, toujours là dans la page. Il est aussi diffusé au fur et à mesure sur notre chaîne YouTube. Et donc, je vous propose, pour être le plus efficace et simple possible, et pour bien modérer la partie questions-réponses, de bien vouloir nous laisser vos commentaires et vos questions, vos interventions dans la partie des commentaires, ou bien de bien vouloir nous les envoyer par message, pardon, sur notre page Facebook. Voilà, donc sans trop tarder, je cède directement la parole à Monsieur Jamadesh. Merci Adil, merci Sertman. Bonsoir tout le monde. Je suis ravi de faire cette conférence ce soir. Et ça rentre dans le cadre de l'association du Cercle des ingénieurs de l'École nationale d'agriculture de Meknès. Je les remercie vivement et je les félicite pour ces initiatives parce que je crois que cette conférence est la quatrième, si je ne me trompe pas, qu'ils ont organisée. Et ça démontre d'un esprit d'initiative qui est excellent. Donc, comme vous le voyez, la conférence va porter sur un certain nombre de points. Je vais faire une introduction et faire un peu le lien entre la conférence, le titre de la conférence et l'impact de la crise coronavirus. Je vais vous parler de l'innovation entrepreneuriale et qu'est-ce qu'elle peut faire dans cette conjoncture un peu spéciale, parce qu'apparemment, parmi les issues, parmi les alternatives, c'est l'innovation entrepreneuriale, il n'y en a pas beaucoup. Par la suite, je vais vous expliquer, et notamment expliquer à nos étudiants pourquoi est-ce qu'il vaut mieux entreprendre plutôt que d'être salarié.
faire une présentation pour expliquer un peu les compétences entrepreneuriales en donnant un exemple, en donnant des exemples, c'est-à-dire le meilleur moyen d'apprentissage, c'est par, en racontant des histoires. Donc, je vais vous raconter l'histoire de deux personnes, quelqu'un qui n'a pas réussi et l'autre qui a réussi. Et puis, enfin, je vais essayer de vous faire une synthèse un peu des règles de succès des entrepreneurs selon la littérature et selon les gourous du business au niveau international. Pourquoi moi précisément? Parce que moi, j'ai, comme l'a dit Bintiadi, c'est que j'ai fait plus que 30 années de banque et j'ai côtoyé les gens qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi. Et ça fait plus que 10 ans que je m'intéresse à ces gens-là, pourquoi est-ce qu'ils ont réussi, et notamment ceux qui n'ont jamais été à l'école. Et j'essaie un peu j'ai tiré des enseignements que je veux aujourd'hui présenter à nos jeunes pour un peu les encourager à la création de l'entreprise. Donc, le titre a été choisi spécialement pour susciter des questionnements et en même temps de l'intérêt, parce que c'est un titre un peu spécial. Est-ce que cela, ça veut dire que tous les étudiants doivent créer leur entreprise? Non, non, pas nécessairement. Vous allez voir, je vais vous faire part d'une étude qui a été faite sur le choix des étudiants au niveau mondial. Qu'est-ce que le pourcentage de ceux qui veulent faire l'entrepreneuriat et ceux qui veulent faire le salariat, vous allez voir. Le but est surtout de donner aux étudiants des réponses adaptées pour les orienter et les accompagner vers des choix un peu, vers leurs premiers emplois et d'explorer plusieurs possibilités professionnelles. Donc, en guise d'introduction, je dirais simplement que la crise du coronavirus a entraîné une remise en cause profonde chez tout le monde. N'importe lequel de nous a connu une remise en cause, ça nous a suscité des explications. Tout le monde a eu une remise en cause quelque part à certains moments. Cette crise, elle est différente des différentes crises qui ont eu lieu avant. C'était des crisettes en 2001-2008, c'était des crises économiques normales où il y avait intervention des banques centrales et puis il y a reprise de la croissance après 6 mois. De la crise du corona actuelle, il est très grave, il est un peu spécial parce que tous les pays sont à l'arrêt. Il y a une contradiction du PIB, etc. Ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails, mais au Maroc, selon les statistiques du ministère du Commerce et de l'Industrie, selon le HCP, l'activité a reculé pratiquement de 20% entre avril et mai. Il y a arrêt de l'activité du secteur de l'hébergement, de la restauration, avec perte de 76% des emplois, la baisse du BTP. Mais de l'autre côté, il y a eu des secteurs qui n'ont pas été touchés, par exemple la finance, les assurances, le secteur de l'information et communication. L'agriculture, bien sûr, n'a pas été touchée aussi. Il y a même des secteurs qui ont connu, dont l'activité a été multipliée par 6, notamment le secteur des produits de grande consommation. Donc, au niveau mondial, il faut tirer des enseignements. C'est qu'il y a des risques probables, il y a des répercussions, on ne va pas en parler, c'est pas l'objet. Mais toujours est-il que cette crise a essayé un peu de montrer certaines choses un peu spéciales, parce que normalement, d'après la littérature, il y a les top 5 des secteurs rentables qui ont paru dès les premières semaines de la crise, sont les jeux vidéo, par exemple, en ligne. À titre d'exemple, Netflix, que vous connaissez, fait partie des rares entreprises qui a connu une augmentation du prix de son action de 8% en bourse. La livraison à domicile, vous l'avez remarqué aussi, elle a augmenté de plus de 70% dans tous les pays. Nous aussi, on a remarqué ça. Il y avait des livraisons à domicile, il y avait des petits commerçants avec des triporteurs qui passaient chaque matin crier « Khadra, Matisha, Tata ». Donc, vous voyez, donc, c'est des phénomènes un peu spéciaux qui apparaissent suite à la crise. Les cours en ligne et puis les applications de travail collaboratif en ville, la chose, c'est-à-dire il y a multiplication des conférences, il y a multiplication du travail, du télétravail. Il y a Microsoft Teams qui a gagné 12 millions de nouveaux clients rien que pendant le premier mois de la crise. Mais la palme d'or revient à Zoom, que vous connaissez aussi, qui a acquis pratiquement 2,2 millions d'utilisateurs pendant un mois, alors qu'en 2019, il a acquis 1,9 million, l'équivalent d'une année. Et ses utilisateurs sont passés de 2 millions à 150 millions. Il y a les médias numériques, tous les médias, parce que les gens cherchaient de l'information sur l'épidémie, etc. Il y a la télémédecine, les startups, il y a une startup américaine qui fait des consultations online, Teladoc Health, qui a connu une augmentation de son action de 24%.
Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que rien que le modèle économique et social du monde va changer, ça c'est sûr. For sure, qui les anglophones. Au Maroc, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers aussi un nouveau mode de développement économique, à implémenter à long terme, qui s'intègre vraiment dans cette transformation globale du monde, qui va devenir de plus en plus digitalisé et où il va y avoir dominance des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle. Donc, chez nous, cette transformation, pourquoi je fais la transition avec la conférence, cette transformation doit se faire avoir comme socle la force de notre jeunesse. Il faut vraiment être conscient, nous sommes très conscients qu'il y a une proportion de population qui est très jeune, qui est très élevée chez nous, comparée aux autres pays. C'est un avantage, il faut les exploiter. Nous avons beaucoup d'étudiants, nous avons beaucoup d'universités, et ces étudiants doivent changer de perception et d'attitude vis-à-vis de l'emploi. Ils ont désormais un rôle très important à jouer dans le développement des entreprises marocaines, génératrices de richesses et qui vont créer de l'emploi. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est l'alternative? Je ne prétends pas avoir une réponse. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut amener les gens à réfléchir comment utiliser cette ressource humaine qui est extraordinaire chez nous. Et déjà, il y avait des initiatives. J'ai participé à un colloque au niveau de l'UNCG de Marrakech et de l'université et de la faculté de polydisciplinaire de Sidi Bounedjah. Et la thématique était l'innovation entrepreneuriale. Effectivement, l'innovation entrepreneuriale et managériale, c'est l'une des clés apparemment qui apparaissent tout de suite et qui a été vraiment à la source des entreprises qui n'ont pas eu des difficultés. Donc, notamment le développement de nouveaux produits, adaptation de certaines chaînes de la chaîne de valeur, digitalisation de certains processus, télétravail. Donc, je vais commencer à parler d'innovation entrepreneuriale. Et dans cette innovation entrepreneuriale, il y a deux parties. Il y a des compétences entrepreneuriales, je vais en parler par la suite. C'est là qui nous mène à parler un peu du sujet de créer l'entreprise. Donc, pour créer l'entreprise, je vais vous parler un peu qu'est-ce qui fait la réussite et qu'est-ce qui pose problème. Et puis, dans cette innovation entrepreneuriale, il y a une composante management de l'innovation. Et là, on peut faire le lien chez nos étudiants. Alors, l'avenir, c'est que ou bien on va créer des entreprises et on est obligé d'acquérir des compétences entrepreneuriales de création de l'entreprise. Et c'est faisable, c'est possible. Il y a des moyens pour acquérir ça, d'être encadré, etc. On commence même à enseigner ça dans les grandes écoles. Donc, créer de l'entreprise, son entreprise innovante ou bien travailler dans des structures d'entreprise pour gérer l'innovation. Voilà, c'est ce qu'on appelle des intrapreneurs. Ou bien entrepreneur, vous avez votre entreprise, ou bien vous êtes intrapreneur et vous êtes en charge d'une structure d'innovation dans les grandes entreprises ou dans les petites entreprises. C'est ça qui va régler la problématique pour s'adapter facilement et réagir et avoir de l'agilité. Donc, l'innovation entrepreneuriale, c'est quoi? C'est le croisement de compétences de création d'entreprise, comme j'ai dit, et croisement aussi avec des compétences de management d'innovation, analyse des phénomènes, des systèmes, des process, conduite, changement, etc. Donc, l'innovation, parce qu'on parle d'innovation entrepreneuriale, c'est quoi l'innovation? Les gens font beaucoup de confusion avec innovation quand ils entendent parler d'innovation, on croit que c'est des inventions technologiques, c'est faux du tout. Et on invite nos étudiants à bien comprendre ça parce que ça, c'est la clé. L'innovation, c'est une équation, elle est égale à l'invention que multiplie la commercialisation. C'est-à-dire, l'innovation, c'est l'invention qui a trouvé son marché, qui est partie à la rencontre de son marché. D'accord. Alors maintenant, innovation égale invention, commercialisation. Alors, l'invention, c'est quoi? C'est une idée nouvelle, une nouvelle technologie, une innovation technologique, une transformation organisationnelle, un business model innovation, une nouvelle façon de commercialiser des produits ou des services. D'accord? Donc, l'innovation, ce n'est pas seulement inventer et faire une invention technologique. Vous allez voir qu'il y a des exemples, je vais citer des exemples au niveau même international, qui ont fait des petits changements au niveau de la chaîne de distribution, qui ont transformé la manière de commercialiser, qui ont transformé la manière de s'organiser et qui ont eu des réussites. Donc, maintenant, invention, qui dit invention dit idée, et qui dit idée dit créativité. D'accord. Donc, je cite l'exemple, par exemple, je reviens pour citer l'exemple concernant l'invention. Macintosh n'a rien inventé, il a copié le modèle de Xerox. Apple, l'iPad, Apple n'ont pas inventé le
MP3 a été inventé par une société allemande. Donc, vous voyez que c'est des gens qui ont repris des business models, on va y arriver par la suite, je vais vous expliquer ce que c'est, et qui ont innové et qui ont fait de l'innovation. Donc, je disais que invention dit génération d'idées, c'est-à-dire c'est un mécanisme cérébral de génération d'idées, c'est la créativité. Et la créativité, on se trompe souvent et tout le monde croit que on n'est pas créatif. Non, loin de là, tout le monde est créatif. Et il suffit de revenir à son enfance, on était tous créatifs quand on était des enfants. Seulement, nos études nous ont conditionnés pour ne pas être créatifs, pour avoir une seule vision. On nous apprend qu'il y a une seule bonne solution, on donne des examens, une seule solution. Il faut suivre les règles, soyez pratiques. Attention aux erreurs, vous allez paraître fou. Il y a tout un tas de choses qui fait que on est conditionné pour un peu ne plus être créatif. Mais seulement, il y a des outils maintenant et des techniques pour développer la créativité. Je vais vous en parler par la suite. Donc, et à titre d'exemple, en Chine, on apprend aux enfants dès leur jeune âge à être créatifs. C'est ça ce qui fait leur force. Maintenant, concernant cet aspect des idées, une étude scientifique a affirmé que nous avons tous des idées. Chaque jour, nous avons des idées. Tout le monde a des idées. Mais on dit qu'une idée sur 3000, une seule idée sur 3000 constitue un succès commercial. Et la principale raison, je vous laisse imaginer, c'est quoi, à votre avis? Ça revient à dire qu'est-ce qui fait la réussite d'un business? Qu'est-ce que c'est qu'un business? Donc, ce n'est pas le business plan, d'ailleurs je vais dire un mot là-dessus, ce n'est pas le produit ou service, ce n'est pas la mission, ce n'est pas le CEO, ce n'est pas l'analyse de marché, c'est quoi? C'est avoir des clients qui payent. Quand vous avez une idée, vous avez de l'autre côté des clients qui vont payer, ça c'est il faut foncer. D'ailleurs, les gens qui réussissent l'entreprise, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Il ne faut pas préparer des choses, etc., commencer à perdre du temps, à travailler à gauche et à droite, à chercher, à s'endetter, etc. Quand il va au marché présenter son offre, personne n'en veut, c'est pas ça. Il faut d'abord avoir des clients, il faut aller sonder le marché. D'accord? C'est parmi les techniques faciles et simples, commencer petit, etc., et commencer à sonder le marché et ajuster. D'accord? Donc, comme j'ai dit, nous avons beaucoup d'idées et notre cerveau, il est là, il traite des milliards d'informations, rien que par les différents sens de vision, etc. Il traite beaucoup de... Donc, il n'a que faire des idées que vous lui envoyez. Le subconscient, il dit, je n'ai que faire de ça. Donc, il les envoie au spam. Désolé, c'est comme un ordinateur. Donc, trouver des idées, il faut, par exemple, au niveau des entreprises, il y a des gens qui encouragent la créativité. Chez nous, là où j'ai travaillé quand j'étais salarié, on faisait des challenges de créativité, on a participé. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Et même dans les entreprises qui sont d'actualité, ils érigent la créativité et l'innovation au rang d'une valeur, une valeur. Et ça, une valeur, c'est des valeurs. Chacun de nous a des valeurs. Moi, je peux vous parler de mes valeurs. Il y en a 5 ou 6 et je vous explique dans le détail. Il faut que chacun de nous sache ce que sont ces valeurs de base parce que ce sont elles qui nous conduisent, qui nous mènent à réfléchir, qui conditionnent notre comportement. Et ces valeurs de base et donc ces entreprises érigent comme valeur l'innovation, la créativité. Donc, ils ont beaucoup d'importance. Donc, au niveau du processus d'innovation, il faut chercher des idées, les filtrer, favoriser les échanges, le croisement, l'organisation horizontale, etc. Pour vous dire, citer quelque chose de très simple, on n'a pas besoin d'avoir une idée de génie pour faire de grosses boîtes. Je vous cite l'exemple de Walmart, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une grosse chaîne internationale américaine de distribution, de grande distribution. Walmart, le monsieur là qui a créé, le patron de Walmart, il a voulu créer une épicerie en centre de ville, il n'avait pas les moyens. Il est parti dans la banlieue, il a créé son épicerie. Ça paraît simple, mais la suite, c'est ça, il faut s'adapter à la demande des clients, etc. Il y a des gens, il s'est implanté dans une place où elle était bétonnée. Et les gens, ils trouvaient leur avantage, ils ont un parking, ils allaient mettre une pelouse. Finalement, quand les clients venaient le voir, ils ont dit « Ouais, merci d'avoir pensé à ça, parce qu'au lieu d'aller à la ville, il y a l'embouteillage, on n'arrive pas, maintenant c'est bien, vous nous rendez la vie facile, on vient trouver du parking. » Vous voyez, et ça, c'est comme ça que c'est parti. Donc, c'est la base d'une idée très simple. Donc,
L'innovation aussi, ça peut provenir aussi du fait qu'on peut copier des idées. C'est pas seulement avoir des idées géniales. La plupart du temps, on copie des idées des autres, on les transforme, on les ajuste, on les adapte, etc. Ou bien on va chercher chez les business models des autres et on va copier ou bien améliorer un maillon du modèle du business model. Rapidement, business model, il répond à une grande question, qui est la clientèle cible, qui est mon client cible. C'est différent du business plan. C'est différent du business plan. Parce que ça, c'est en une seule page, vous avez un tableau de bord, vous avez une cartographie de votre business. Et moi, je recommande aux gens que je conseille de faire un business model, pardon, plutôt qu'un business plan. Business plan, c'est un outil seulement de communication qui permet un peu de chercher à avoir des fonds auprès du le CEO d'IEL qui a démarré un projet ou la British Machine, la banque, pour avoir un crédit. Mais ça ne garantit pas la réussite. Mais par contre, le business plan, c'est clair, c'est un tableau qui clarifie un peu la vision globale le créateur d'entreprise. Donc d'abord, il y a qui sont vos clients, qu'est-ce que j'offre aux clients? Comment je vais montrer aux clients que j'ai un produit? Donc ça, c'est le marketing, parce que vous avez beau avoir le meilleur produit du monde, si les autres ne savent pas que vous avez ce produit-là, vous n'allez pas le vendre. Comment est-ce qu'on crée de la proposition de valeur, apporter quelque chose de valeur, résoudre un problème, etc. Et comment générer les recettes? Ça, c'est le business model. D'accord. Donc, je vais vous citer des exemples qui ont révolutionné, qui sont devenus des géants mondiaux, rien qu'en changeant le business model carrément de changer le business model. Il y a IKEA. Vous connaissez tous IKEA. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a redéfini la façon dont on achète les fournitures. Il n'a rien inventé. Il y a eBay aussi, il a changé le mode de commerce. Il y a Netflix aussi. Netflix, il a une histoire un peu spéciale. Netflix, c'est un monsieur qui a, il a loué une cassette d'un film pour aller la voir chez lui. Il a retardé, on l'a pénalisé 40 dollars. Il était mécontent, il est parti voir un monsieur, un ami à lui qui était passionné par l'Internet. Il lui a dit, il faut qu'on trouve une solution. Alors maintenant, ils ont commencé doucement à vendre des cassettes en ligne, c'est-à-dire vous achetez une cassette en ligne et on vous livre par la suite. Par la suite, ils sont allés jusqu'à aller maintenant, vous allez voir chez Netflix, il y a des films qui sont diffusés, vous avez le choix, et pour 10 dollars par mois, mais ils ont 150 millions, donc vous imaginez le chiffre d'affaires qu'ils font. D'accord, donc Netflix, c'est un exemple très simple. Il a repris, il était mécontent, il a repris une idée, il a changé un peu la manière d'aller louer la cassette chez la boutique et aller voir et puis la retourner, etc. IBM n'a pas inventé le PC. La même chose. Apple aussi, il n'a pas inventé la technologie MP3, je viens de le dire. Donc le business model, il est différent du business plan. D'accord. Et pour vous dire ça, je vous explique qu'une étude sur 500 grosses entreprises qui ont réussi aux États-Unis, ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui a fait le business plan, qu'est-ce qui l'a pas fait. Et là, croyez-moi, je ne me raconte pas des choses parce que sincèrement, dans mes méthodes d'accompagnement, le business plan, ça, on laisse de côté. Il faut commencer avec le peu de moyens que vous avez. Vous allez prendre moins de risques en cernant un peu tous les paramètres. Et quand vous êtes sûr d'avoir un risque, vous évaluez combien vous allez perdre. Et vous acceptez ça et vous plongez, vous dites à Allah, mettre que tu lèves flouze, mettre que tu lèves engagement, là ouais, tu commences petit et tu grandis. C'est comme ça que les grandes fortunes ont commencé. Donc, l'étude a dit qu'est-ce qu'il a montré? Il a montré que 60% de ces 500 grosses entreprises qui ont des chiffres d'affaires qui dépassent les 500 millions de dollars, 60% de ces 500 n'ont pas fait de business plan. Du tout. Du tout. Et le reste, les 40% qui ont fait le business plan, 65% de ces gens-là se sont égarés du business plan. Vous voyez? Donc, business plan, il faut le faire, oui, c'est un outil de communication, mais bon, il faut vraiment tabler sur le business model. Et le business model, les gens sont allés plus loin. Il y a un monsieur qui a fait un document, un livre qui est très intéressant, avec un outil qu'on appelle le business model Canva. Vous tapez dans l'internet, vous allez trouver l'outil. C'est un outil de pilotage qui est intéressant, qui trace dans une seule page un peu les différentes composantes du détaillé du business model. Il y en a 8 parties: segment de clients, proposition de valeur spécifique, l'USP, comme on dit en anglais, la chaîne de distribution, comment délivrer la valeur aux clients, les relations avec les clients, qui sont nos partenaires, les flux de recettes, les structures de coûts, etc.
D'accord. Donc, pour conclure cette partie, je dirais que les entreprises qui sont bien gérées élèvent la créativité au rang de valeur, comme je l'ai dit, avec des organisations horizontales, avec des structures où il y a des intrapreneurs, des gens qui sont là pour encourager l'innovation, pour essayer un peu de trouver les... Et quand on dit innovation, on cherche des solutions alternatives, etc. C'est ça. Il faut pas qu'on reste dans notre pays dans la statique. Nous avons tous été des salariés, la plupart des gens qui étaient salariés, donc vous allez, vous travaillez dans une entreprise, et puis là, vous attendez qu'on vous dise ce qu'il faut faire, vous êtes jeune, vous avez une matière grise, vous avez fait des études. Non, c'est pas ça, il faut changer, donc on va pas réussir tout de suite, mais suite à cette crise-là, il faut vraiment que dans 20 ans, 30 ans, il faut que les choses changent. Et je vous dis ça parce qu'avec les gens, ne dort pas avec l'intelligence artificielle, etc. Il va y avoir beaucoup de métiers qui vont disparaître. Le métier de comptable, le métier de... ils vont disparaître. Même maintenant, la médecine, je vous ai montré une société américaine qui fait le diagnostic à distance. Donc, l'intelligence artificielle, il va chambouler les choses, hein, la digitalisation, etc. Donc, on n'a pas d'autre choix que d'avoir des structures de management de l'innovation au sein des entreprises qui vont piloter un peu l'innovation, qui vont gérer les résistances au changement, parce qu'il va y avoir sûrement des gens qui vont être dérangés, ils vont avoir peur de perdre leur poste ou, je ne sais pas, perdre un statut, etc. D'accord. Donc ça, c'est la partie innovation. Donc, par la suite, je vais faire une transition sur la troisième partie. Pour poser une question, pourquoi il vaut mieux entreprendre plutôt que d'être salarié? Pourquoi? Je vais vous expliquer qu'il y a deux alternatives. Soit on va opter pour la création de l'entreprise, soit on va opter pour le salariat, ça c'est légitime, on va parler et discuter pourquoi. Et je vais vous dire ce que je pense. Donc, mais toujours est-il à l'appui de certaines études scientifiques, il y a une étude qui a montré qui a été faite au niveau de plusieurs universités et écoles au niveau international. Cette étude a montré que 75% des étudiants voulaient, chez la plupart des pays, être salariés. Et le seul pays, à l'inverse, où il y avait 75% des étudiants qui voulaient être entrepreneurs. Ils ont des idées, ils assemblent leurs amis. Vous connaissez les histoires des étudiants dans leur garage, etc., qui ont donné naissance à Google, Apple, Facebook et tout ça. Donc, vous imaginez. Donc, il n'y a pas de différence. Il y a des gens qui croient, vous donner des exemples. Oui, je vais vous citer un exemple de cas marocains qui ont réussi. Et il n'y a pas de différence. Maintenant, même au niveau international, il y a des Marocains, quand ils vont dans des conditions favorables, s'épanouissent. Donc, il n'y a pas de différence entre X et Y. Les Marocains, on n'a rien à leur envier. Ils sont même très bien quand ils vont à l'étranger, parce qu'ils trouvent l'environnement favorable et ils s'épanouissent, ils s'éclatent. Mais malheureusement, quand on trouve, par exemple, au Maroc et dans les autres pays, que 75% des étudiants veulent être salariés, on ne peut pas faire développement du pays avec 75% des gens qui veulent devenir salariés. Non, c'est pas possible. Sincèrement, c'est pas possible, parce que qui va créer de la valeur, qui va créer des emplois, qui va créer de la richesse? Non. Mais on ne va pas travailler, tout le monde va travailler chez les autres, ce n'est pas possible. Avant, quand on était parti étudier à l'étranger, on est revenu, etc., chez nous, au Maroc, l'État recrutait, c'est bien, il y avait un manque de tant mieux pour nous, il y avait un manque de cadres qu'il fallait combler. Mais aujourd'hui, c'est différent, le nombre d'étudiants diplômés a énormément augmenté, ni l'État, même ni le tissu économique actuel au Maroc ne peut absorber en tant que salarié cette masse de diplômés. Donc au moins, moi, à mon avis, au moins si on a 50% de gens qui vont salariés, 50% qui créent l'entreprise, ça va marcher. On va discuter, c'est pas facile de créer l'entreprise, mais si les autres l'ont fait, je vais montrer comment ils ont fait pour réussir. D'accord. Donc, ceci n'exclut pas d'aller travailler en tant que salarié, ou bien l'entreprise. Alors, pourquoi? Parce que j'ai eu l'occasion parfois de demander à certaines personnes pourquoi vous ne voulez pas créer votre entreprise. C'est normal. Nécessité d'avoir un revenu parce que les parents, les pauvres, ils ont peiné. Donc, il faut travailler. Hein, il faut avoir gagné de l'argent. Bien. Faites-le. Je vous encourage. Faites-le. Vous allez apprendre. Vous avez de l'expérience, etc. Quelques années. Ça ne vous fera que du bien. Choisissez le domaine où vous voulez exceller. Allez-y. Faites 2 ou 3 années d'expérience. Faites un peu d'économie d'argent. Puis, alors, vous faites la transition de salarié à entrepreneur bien avant que vous ne sortez de votre poste.
il y a des techniques et des outils. Moi, j'ai des trucs là qui sont intéressants pour accompagner les gens qui veulent faire la transition de salarié à entrepreneur. C'est facile, hein, c'est facile. Donc, je disais que il y a la nécessité d'avoir un revenu pour aider les parents, pour c'est normal, les gens veulent tout de suite avoir une voiture, avoir les réflexes de limitation sociale, la conformité. Et là, ce réflexe de limitation sociale et de conformité, il est humain, il est chez tout le monde. Il y a des gens qui ont fait des expériences, j'ai des vidéos qui montrent un peu un monsieur, on lui a fait un tour, il y avait 5 personnes qui faisaient la scène, et ils étaient dans un ascenseur, et puis il y a un monsieur étranger qui rentre. Tout le monde regardait la porte de l'ascenseur, lui aussi, il tourne, il essuie. Quand il un peu plus de temps, ils ont commencé à regarder l'autre côté, il s'est tourné. Il suit, c'est la masse, c'est humain. C'est humain. Il y a aussi même les animaux, il y a des expériences qui ont été faites. Désolé, parfois il faut raconter des histoires pour un peu casser la monotonie. Il y a une expérience qui a été faite sur les singes et la banane. Il y avait une dizaine de singes qu'on a mis dans un local isolé et on a suspendu une banane, un régime de banane. Et une fois un singe saute pour avoir une banane, on leur lâche des lâchers d'eau glacée glaciale. Alors, les singes, la première fois, deuxième fois, ils ont vu ça et ils ne voulaient plus laisser aucun singe aller chercher la banane parce qu'ils savent qu'ils vont en recevoir de l'eau glacée. On faisait sortir les singes un à un. Et quand il y a un singe nouveau qui vient, il va sauter, on le tabasse. On fait sortir jusqu'à ce qu'on a fait sortir les 10. Et tous les nouveaux, sans savoir pourquoi il faut tabasser les nouveaux, ils commencent à quelqu'un qui rentre, qui veut toucher la banane, il le tabasse. Ben, c'est la norme, c'est la norme. Nous aussi, on a dans nos vies, etc. Il y a beaucoup d'exemples. On suit un peu certaines choses. Parce que, par exemple, chez moi, avec mes parents, etc., vous avez un plat, il y a de la viande dessus, on laisse la viande pour la fin. C'est normal parce que c'était la rareté. Donc, et les gens ne savaient même pas pourquoi on faisait ça. Donc, c'était. Vous voyez, donc, il y a des réflexes d'imitation sociale et de conformité. Et il y a beaucoup de réflexes ancestraux qui nous empêchent d'agir et de devenir libres. Ça, c'est très important. C'est très important. C'est très important. On nous a appris tout le temps, il faut aller à l'école, il faut chercher un job bien payé, etc. C'est bien, mais ça, c'est l'ancienne formule. Maintenant, non, c'est révolu. Moi, j'encourage mes enfants, bien sûr, il faut aller à l'école. Oui, mais quand vous terminez, c'est bien l'école, c'est bien d'avoir un diplôme. Mais les gens qui ont réussi, même les diplômés, ils ont réussi dans d'autres domaines. Vous avez une tête bien faite, on vous a appris de la méthode, comment réfléchir, comment raisonner, etc. Comment apprendre, comment aller lire des choses, des livres, comment apprendre. Donc, alors, il y a l'autre aspect, c'est que avoir une expérience aussi, c'est bien. Mais pas plus que de 2 à 3 ans. Et je vous dis l'exemple. Moi, j'ai vécu une expérience et au bout de 5 ans, j'allais partir. Au bout de 10 ans, j'allais partir. Et finalement, ça y est, c'est terminé. Vous avez les enfants, vous avez les charges, vous avez les crédits, etc. Et puis, sans parler de ça, vous développez des habitudes, vous développez une zone de confort qu'il est très difficile de quitter. Parce que notre subconscient, et écoutez bien, le subconscient, notre subconscient, il traite 400 milliards de bytes par seconde. Alors que le mental, il traite que 2000. Alors, s'il vous plaît, les gens qui ont réussi, les gens qui n'ont pas réussi, la seule chose qui fait la différence, c'est que chacun de nous a un subconscient comme un cheval. Et il y a des gens qui le domptent. Et je vais vous montrer, je vous explique comment on le fait. Et il y a des autres qui se font laisser piloter, faire le pilotage automatique. La plupart des gens fonctionnent par le pilotage automatique. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc, c'est OK pour le salariat, mais allez-y. D'accord, on doit aimer ça. D'abord, il y a des gens qui aiment ce qu'ils font, c'est bien, ils s'épanouissent, etc. Ils se lèvent le matin, ils ont envie d'aller au boulot. Voilà, pour moi, allez-y, restez même plus que 3 ans, 5 ans. Mais s'il vous plaît, si vraiment vous levez le matin, vous n'avez pas envie d'aller, il faut changer d'orientation. Et je crois que c'est la majorité des cas. Je crois que l'audience, il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas des étudiants, ils comprennent ce que je leur raconte. J'ai beaucoup de gens qui me suivent sur LinkedIn. J'ai pratiquement 6000 personnes et des professionnels, des salariés. Ils savent de quoi je leur parle. Et vous, les étudiants aussi, il faut être conscient de ça. Alors,
pour essayer un peu de démystifier ça, je vous donne l'exemple d'un certain monsieur, et je vous recommande d'aller lire son livre qui s'appelle « Père riche, père pauvre », qui s'appelle Robert Kiyosaki, c'est un homme d'affaires américain, et qui est un auteur qui est conférencier, il a écrit pratiquement 3 livres. Et c'est un monsieur qui depuis son jeune âge, il posait une question à sa maîtresse, « Madame, pourquoi vous ne nous apprenez pas comment faire l'argent ?» La maîtresse lui dit, « Non, mais nous, on n'enseigne pas comment faire l'argent. Va demander à ton père, il est le directeur de pédagogique des études, il va t'expliquer. » Il est parti voir son père lui dit la même chose, « Non, mon fils, c'est pas possible, mais je peux te conseiller, va voir le père de ton ami, qui va t'expliquer comment faire l'argent parce que lui, il est entrepreneur. » Et maintenant, le monsieur-là, il a fait la comparaison entre son père natif avec sa mère qui se bataille, qui arrive à avoir des crédits, une voiture, et puis jusqu'à la fin, ils ont la retraite. Et puis, l'autre père de son ami, qui était libre financier, qui a des biens, qui est à l'aise, qui fait ce qu'il peut, il voyage, il a tout ce qu'il veut. Et ce monsieur-là, ce Robert Kiyosaki, il définit 4 catégories un peu spéciales. Il y a le salarié, il y a le professionnel, il y a l'entrepreneur, il y a l'investisseur. Sincèrement, si j'avais lu ce livre, je n'aurais jamais fait de salariat. Je vous invite à le lire, il n'est pas compliqué, vous le téléchargez sur l'internet, il est gratuit, il est même en version française. Alors le salarié, la première catégorie, il travaille chez les autres pour avoir un salaire, pour survivre, payer les factures, les loisirs, etc. C'est une solution à court terme. Il travaille toute sa vie de 8h à 17h, 5 jours sur 7, c'est ce que j'ai fait, dans l'espoir d'avoir à long terme une retraite qui va traîner jusqu'à la fin de sa vie. En supposant qu'il va vivre, il va sortir à 60, il va vivre jusqu'à 80, il va traîner cette retraite de misère pendant 20 ans. Vous les jeunes, vous ne pensez pas à ça. Moi aussi, quand j'étais jeune, je n'avais pas pensé à ça. Mais il faut y penser. C'est un choix à faire. Et si vous optez pour le salariat, donc il faut s'attendre à ce que votre patron vous le dit, quand venir, quand sortir, quoi faire, etc. Et Dieu loué, j'espère que vous trouverez des bons patrons, parce qu'on n'a pas généralement de bons patrons. On a parlé un peu de l'innovation entrepreneuriale et managériale. Et là aussi, les managers qui se sont sortis, ce sont ceux qui vraiment connaissent bien le management, qui le pratique correctement, le management en proprement dit. Hein. Donc, ça, c'est le salarié. Le professionnel, profession libérale. Avocat, médecin, notaire, tout ce que vous voulez. Tous ces gens-là qui vendent du temps contre l'argent, ils ne vont jamais devenir libres financièrement. Pour la simple raison qu'ils n'ont que 24 heures par jour. Il n'a que 24 heures par jour, donc il ne peut pas faire grand-chose. L'entrepreneur, par contre, c'est quelqu'un qui crée de la valeur, il gagne de l'argent au retour, c'est bien. Mais attention, cet entrepreneur, parfois, certains entrepreneurs deviennent vraiment esclaves de leur entreprise, et comme c'est un salarié de l'entreprise, ils ne s'en sortent pas. Donc, l'alternative, c'est l'investisseur. L'investisseur, c'est quelqu'un qui investit dans des actifs rentables, immobilier, la bourse, faire des livres, faire des formations online, etc. Ça, vous êtes maintenant, il y a beaucoup de gens qui font du business online, des jeunes qui font beaucoup d'argent, qui se lèvent le matin pour consulter leur compte et ils trouvent beaucoup d'argent. Ce sont des gens normaux, ils n'ont rien à leur envier. Peut-être nos étudiants sont mieux que ces gens-là. Donc, il suffit d'être sensibilisé à ça, etc. Donc, quand je parle d'entrepreneur, il y a certaines personnes qui croient qu'entrepreneur, un peu, c'est difficile. Je vais démystifier un peu, je vais essayer de casser un certain nombre de mythes par la suite. Mais de prime abord, déjà, tous, nous sommes des entrepreneurs. Nous sommes tous des entrepreneurs sans le savoir. Dans la vie, nous sommes des entrepreneurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Imaginez que vous, les enfants, vous êtes à la maison, papa et maman sont partis en vacances, ou ils sont partis régler certaines choses, vous avez faim. Vous devrez préparer un repas, ça c'est l'objectif. Il faut chercher comment le faire, il faut aller ouvrir le réfrigérateur. Est-ce qu'il y a des œufs? Il n'y en a pas. Vous appelez maman, vous appelez l'expert, vous lui dites comment faire, etc. Ça c'est l'entreprise. À chaque fois que vous faites quelque chose dans la vie, c'est de l'entrepreneuriat. Vous vous butez à des problèmes, vous essayez de régler, vous allez vous renseigner, etc. Mais ça, cette manière de faire, on la transporte dans le domaine économique et ça fait le business. Donc c'est simple, c'est pas compliqué. Donc, pour conclure sur ce Robert Kiyosaki,
Il a une démarche un peu spéciale et j'invite à, je vous invite à lire son livre. Et pour lui, l'actif, la définition de l'actif, ce n'est pas la définition que nous avons dans les pratiques comptables et financières que nous avons. Pour lui, l'actif, un actif comptable, c'est quelque chose qui fait rentrer l'argent dans la poche. Alors que chez nous, dans la classification comptable qui est courante, un actif, vous avez une villa, mais la villa, non, je suis désolé, vous payez le gardien, vous entretenez le jardin, vous payez pas mal, vous faites sortir de l'argent de la poche. Alors pour lui, un actif, c'est ce qui fait rentrer l'argent dans la poche. Donc c'est son approche à lui. D'ailleurs, il fait des conférences très réussies. Et maintenant, lui, il explique carrément à travers son livre le schéma classique du salarié. Donc c'est travail, salaire, consommation, travail. Ce schéma s'appelle chez les Américains la rat race. Je ne sais pas si les gens ont entendu parler. C'est la rat race. C'est un rat qu'on met dans un truc qui tourne et il ne s'en sort pas. C'est le rat qui tourne, qui tourne, qui tourne. Vous allez au travail, vous connaissez, le matin, vous revenez, vous dormez, etc. Et chez les Français, on l'appelle boulot, métro, dodo. Boulot, métro, dodo. Vous allez au travail, vous prenez le métro, vous terminez votre travail, vous revenez dodo, et puis le matin, vous reprenez. Donc, vous voulez, c'est un cycle un peu infernal. Et bien, il faut être sensibilisé à ça. Donc, ceci n'empêche pas qu'il y a des personnes salariées qui sont bien payées. Hein, elles ne sont pas nombreuses d'ailleurs. Des boss, des CEO, etc. Mais c'est des choix. Malheureusement, moi aussi j'étais responsable. Parfois ils ne voient pas grandir leurs enfants, parfois ils bousillent leur santé. Et bon, c'est des choix à faire. D'accord ? C'est des choix à faire. Et il y a un sage qui dit, un esclave, même très bien payé, reste toujours esclave. D'accord ? Alors, pour conclure avec cette partie, Il y a une étude qui a été faite sur des personnes dans leur dernier moment de vie qui étaient sur le plan de mourir. On leur demandait qu'est-ce que vous regrettez le plus. Et les top 5 réponses, et ça c'est bien, ça secoue un peu les esprits. Ces gens-là, la première réponse, la plus importante, je regrette d'avoir travaillé si dur. Ils regrettent d'avoir travaillé si dur. Ils regrettent ne pas avoir consacré plus de temps à leur famille, à leurs amis. Ils regrettent de ne pas avoir laissé plus de temps à eux-mêmes pour être plus heureux. Ils regrettent aussi de ne pas avoir eu le courage d'exprimer le vrai soi. Et ils regrettent de ne pas avoir vécu la vie de leur rêve et d'avoir vécu selon ce que les autres voulaient. D'accord, donc on conclut ça sur le salariat. Ça ne veut pas dire que moi je dis que le salariat, ce n'est pas bon, mais c'est bon, mais toujours dit-il qu'il y a l'alternative de création d'entreprise qui est intéressante. On va voir que ce n'est pas facile. Et on sait que 50% des entreprises créées, c'est une statistique moyenne mondiale, ne dépasse pas les 5 ans, mais ça vaut la peine. Quand ça démarre. Vous allez doucement, vous créez votre entreprise, vous marchez, ça marche, etc. Mais quand ça décolle, c'est terminé. Alors maintenant, pour rentrer un peu dans les compétences entrepreneuriales, qu'est-ce qui fait que un entrepreneur réussit, un autre ne réussit pas. Je vais vous présenter un peu une histoire comparative entre deux profils d'entrepreneurs. J'ai essayé de schématiser les savoirs et le savoir-faire en essayant de comparer deux personnes. Il y a M. Karim, malchanceux, qui n'a pas réussi sa vie malgré qu'il était intelligent, il était le majeur de sa promotion. Et il était le majeur de sa promotion. À chaque fois, il s'arrête à la première étape, il s'arrête au premier challenge ou obstacle. Il n'a pas compris que le premier pas est le plus difficile. Parce que sincèrement, c'est le premier pas qui est difficile. Une fois que vous dépassez le premier pas, ça y est, terminé. Il ne faut pas arrêter. Ça continue. Il y a des gens qui ont commencé à creuser des mines d'or aux États-Unis. Ils continuent, puis ils laissent tomber. Et il y a un repreneur qui, en creusant un mètre, il a retrouvé l'or. Donc, le premier pas, c'est le plus difficile à faire. Parce que, histoire que je vous ai racontée concernant le subconscient, il est là pour nous sauver de mourir. Ça c'est ancestral. Son rôle, c'est de vous sauver, de ne pas mourir. Et à chaque fois qu'il y a un problème ou quelque chose de nouveau, il vous dit « attention, il y a la mort ». Ça, c'est humain, ça c'est expliqué par les neurosciences, il n'y a pas de problème. Et donc, ce subconscient vous bloque tout le monde, la plupart, à moins qu'on soit vraiment averti. Et ce subconscient, je ne veux pas cette nouvelle chose. Moi, lui, il n'aime pas les choses nouvelles, il veut le statu quo. D'accord ? Alors, par contre, le monsieur qui réussit, qui s'appelle monsieur Yassine, je ne dis pas que les gens qui portent Karim ne vont pas réussir, c'est seulement pour l'exemple. Désolé, vous m'excusez. Mais il y a Yassine qui est toujours à l'affût de nouvelles idées, des opportunités. Il teste sans relâche, il exécute avec persévérance, il n'arrête pas.
Et c'est comme le monsieur qui achète des espadrilles de sport. Soit vous les mettez, donc vous allez courir, vous allez arriver à à la ligne d'arrivée, soit c'est Karim qui les met pas, donc il ne va pas arriver à à la ligne d'arrivée. Alors c'est monsieur Karim qui n'a pas réussi aussi, était stoppé par les autres. Ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils disent. Et ça, c'est important. C'est important. N'écoutez pas l'entourage dire. Vous voulez faire quelque chose, faites-le. Allez, demandez conseil à des gens qui ont eu de l'expérience avant vous, des gens qui connaissent, qui peuvent vous conseiller, qui ont vécu déjà, fait un long chemin. Mais ne demandez pas à papa, à maman, ou à sa femme, ou à, je ne sais pas, la validation. Parce qu'ils ne vont pas vous dire que, attention, ici. Et donc, il y a des limites psychologiques, c'est la peur. Donc, plus on a peur, maintenant c'est terminé, donc on ne va rien faire. Et ce Karim a le syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire à chaque fois il veut faire, et les autres lui disent, est-ce que vraiment tu es sûr de réussir? Est-ce que tu es capable? Ça, c'est ce qu'on appelle la légitimité. Quand quelqu'un veut commencer à faire une affaire, et il se pose des questions, est-ce que carrément je suis légitime de faire ça? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux réussir? Non, allez-y, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il ne tente rien, ne reçoit, passer à l'action. C'est ce que fait Yassine. Il passe à l'action. Alors, ce Karim-là qui écoute les gens, je vous donne un conseil, et ça, c'est prouvé par les neurosciences. Vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous côtoyez le plus. Désolé, mais c'est la règle. Radit Gilsoum Annes, les radit tirukom vers le haut, oui. Vous radit Gilsoum Annes, les radit tirukom vers le bas, on va vous tirer vers le bas. Alors, choisissez l'entourage, dire. Éviter les personnes toxiques. Même s'ils sont des proches, il faut les éviter. Le respect, mais vous les évitez. Ils ne vont pas vous bousiller la vie. Donc, méfiez-vous. Vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous côtoyez le plus. Ça, c'est une règle. Et il y a beaucoup de gens qui ont réussi parce qu'ils se sont rapprochés des gens qui ont réussi. Il y a beaucoup d'histoires. Nous avons un gars qui travaille avec nous dans une ville, sans la citer. Et le monsieur, il y a les investisseurs, etc. Mais même pas 4 ans après, il est parti, il a fait ses affaires parce qu'il a appris, on l'a tiré, on l'a dit à chaque fois qu'il y a un projet, on lui dit, viens, tu participes, etc. Donc, vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus. C'est Yassine qui a réussi, il n'écoute pas les personnes toxiques. Hein? Il sait qu'on ne peut pas arrêter les critiques des gens. Les gens ne vont pas arrêter de critiquer. On ne peut pas plaire à tout le monde. Il faut savoir dire non. Le fait de dire non, c'est un art. Et malheureusement, ils évitent. Non, vous dites non, je suis désolé, pour le moment, je ne suis pas disponible, pour le moment, je ne peux pas faire ça, mais dites non, s'il vous plaît, dites non. D'accord. Alors, ce Yassine, il prend des risques calculés. Et là, ça rejoint le mythe de gens qui disent que les entrepreneurs prennent des risques. Je suis désolé, non. Il y a une étude qui a été faite qui encourage l'aspect qui s'appelle la procédure causale par opposition à ce qu'ils appellent l'effectuation. La procédure causale, c'est la logique, c'est le calcul, etc. Si vous continuez à calculer, à raisonner, vous n'allez rien faire. Mais les gens, les entrepreneurs, ce sont des gens, ce ne sont pas des gens qui prennent les risques. Ceux qui prennent les risques, ils se plantent. Ils butent le mur, contre le mur. Mais ces gens-là, ils savent ce qu'ils font. Hein. Ils évaluent la perte acceptable, ils essaient un peu de délaguer les différents risques qu'ils ne peuvent pas maîtriser, ils se retrouvent finalement avec un seul aspect des risques, ils foncent. Donc, généralement, ce ne sont pas des gens qui prennent beaucoup de risques. Ils testent, etc. Ça ne marche pas. Les cas qui ont réussi chez nous au Maroc et les entourages qu'on connaît, ce sont des gens qui réussissent. Et parfois, vous posez des questions, mais qu'est-ce qu'il a de spécial, ce monsieur? Il n'a jamais été à l'école. Il est venu, il n'avait rien. Maintenant, il se retrouve avec un immeuble. Il roule en X5 ou la BMX 6. Eh bien, ça s'explique, c'est que c'est un monsieur qui commence doucement et qui essaie un peu d'évaluer le risque tout en essayant d'évaluer la perte acceptable. Si ça ne marche pas, qu'est-ce que je perds? Mais il ne faut pas se hasarder, commencer à avoir des crédits, à chercher des fonds à gauche et à droite et aller jeter ça. Non, non, non. D'accord? Donc, il y a un autre aspect aussi qui est très important, c'est avoir une passion ou bien une obsession. Faire du business, il faut avoir une passion, une obsession. Si vous l'avez pas, si vous faites du business que pour l'argent, je suis désolé, vous n'allez pas réussir.
Oui, effectivement, parce que la plupart des gens qui ont réussi, ils n'ont pas fait le business pour l'argent. Ils l'ont fait pour une passion, pour une obsession, ils voulaient faire quelque chose. Donc, s'ils ont fait ça, c'est pas pour... Mais, en retour, quand vous délivrez de la valeur, vous faites des choses intéressantes, vous avez en retour de l'argent. Mais donc, vous n'allez pas entretenir la motivation, le moindre obstacle, vous allez faire marche arrière, etc. Mais si vous êtes passionné, vous allez persévérer, vous allez faire parcourir comme on dit, les montagnes russes sans problème. Donc, il faut qu'il y ait une passion, une obsession. Une obsession, c'est ce qu'on retrouve chez Yassine qui a réussi, un désir ardent, il a la flamme, il a le feu, etc. Donc, c'est ça qui le pousse à réussir. Monsieur Karim qui ne réussit pas. Je schématise parce que c'est un dialogue et puis je préfère ne pas vous citer ça. Et comme ça, en racontant l'histoire, c'est le meilleur moyen, c'est le storytelling, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Maintenant, c'est ce qu'on fait généralement dans les grandes écoles, etc. C'est le storytelling. Quand vous racontez une histoire, les gens retiennent. Quand vous faites des présentations comme ça, ils ne retiennent que 10% et 20 jours après, ils oublient. Mais moi, quand je vous dis Karim et Yassine, ça aura la force de le répéter, vous allez vous en rappeler. Donc, ce Karim-là, il dit tout le temps, je n'ai pas de chance. Il y a beaucoup de gens qui disent, je n'ai pas de chance, je suis désolé. Moi, sincèrement, d'après ce que j'ai étudié, ce que j'ai consulté comme document, la chance n'existe pas. Ah, je vois, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui sont étonnés, mais je vais vous expliquer. La chance, c'est quoi? C'est égal à la préparation plus opportunité. Il y a des gens qui ont eu la chance d'aller travailler. Je connais des gens qui sont partis travailler dans la banque islamique et maintenant ils touchent un salaire de 100 000 dirhams par mois. C'est pas par chance, non? Le monsieur a fait la préparation. Il cherchait à gauche et à droite. Il est parti à Hôtel Hilton. Il a trouvé la banque islamique qui fait une présentation. Il s'est rapproché des gens. Il a présenté son CV. Et il est parti. Oui, c'est pas de la chance. Il faut faire une préparation. Et quand vous rencontrez l'opportunité, ça s'appelle la chance. D'accord? Bon, c'est vrai, c'est vrai. Il faut pas l'oublier. Il y a des événements qu'on subit parfois indépendamment de notre volonté. Oui. Ça existe. Ça existe. Mais ça, on a encore la possibilité de changer ce qui arrive. Il y a deux façons de choisir, il y a plusieurs façons de choisir comment réagir, même si parfois on subit ça indépendamment. Et là, je vous livre quelque chose qui est très connu chez nous et que les scientifiques approuvent. Les neurosciences, ils disent que chaque chose négative a un côté positif et chaque chose positive un côté négatif. Donc, à chaque fois quelque chose qui ne marche pas indépendamment de notre volonté, il faut chercher le côté positif. D'accord? Alors, c'est Yassine, il parle à son cerveau. Et là, je vais vous étonner aussi. Et retenez ça, s'il vous plaît, les jeunes, retenez ça très, très, très bien. Parce que ce monsieur qui croit qu'il n'a pas la chance, qui se dit, se raconte des choses comme ça, il ne fait que plomber son cerveau. Ah, et son cerveau lui dit merci, très bien, ça va dans le sens que je veux, je ne veux pas de changement, je ne veux pas que tu aies des problèmes, c'est bien, ça m'arrange. Mais quand vous parlez à votre cerveau et vous mettez le masque du guerrier et vous jouez bien vos rôles, il y a deux choses qui influencent le cerveau, les mots et les images. Retenez bien ça, les mots et les images. Si on avait la possibilité de faire une expérience, vous mettez un gars, on choisit un étudiant au hasard. On va lui dire de fermer les yeux. Je vais commencer à lui parler. Comme quoi, il a un seau dans la main gauche, de sable. Je lui décris l'image. Je lui dis qu'il est lourd, il pèse, etc. Et puis, je lui dis que de l'autre main droite, tu as un ballon d'hélium qui va tirer vers le ciel, etc. Et après un certain bout de temps, vous voyez le monsieur qui lève le bras droit, qui baisse la main gauche. Et ça, c'est une expérience. Le cerveau, il ne comprend, il fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Ça, c'est une caractéristique de notre cerveau. Il sait pas ce que c'est. Il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas. Donc, s'il vous plaît, parlez à votre cerveau, dites de bonnes choses. C'est pas, je n'ai pas de la chance. Il faut dire que c'est possible. Pourquoi pas? Ne pas dire je suis bloqué. Il faut dire je vais voir comment faire. Vous voyez, c'est différent. Vous dites à votre cerveau, je vais voir comment vous faire. Il va vous aider. إيه احنا كاملين هنا في البلاد ديالنا كتمشي لشي واحد شي حاجه اش تيقول لك قول عاد بالله مش طراجي اي تي فا لا تروفي بوكوا باسكو كون تو دي جو نو فو با لا تروفي اي تي دون اون انستركسيون ا تي زيو بور نو با تروفي باسكو كونكريتمون سو سون كو دي زورغان دو سونس
on ne voit rien, on n'écoute rien, on n'entend rien. Ce sont des organes de sens qui transmettent l'information au cerveau et qui la traitent en des fractions de seconde. Donc, si déjà vous dites à votre cerveau, je ne vais pas trouver l'objet Michelia, ben c'est normal, ils ont des instructions aux yeux, ils ne les trouvent pas. Vous dites, vous allez la trouver. C'est un peu spécial. Bon, j'ai fait beaucoup d'études de neurosciences. J'ai même fait un cours dans une neurobusiness school à Paris, par correspondance. Mais c'est extraordinaire, notre cerveau, c'est extraordinaire. Donc, les gens qui réussissent, quand vous allez choisir, moi, maintenant, quand j'ai essayé un peu d'essayer de voir à travers l'expérience bancaire les gens qui ont réussi, les gens qui n'ont pas réussi. Mais sincèrement, ce sont des gens qui ont des qualités, des caractéristiques, une vingtaine qui se retrouvent. On les retrouve chez tout le monde, même au niveau mondial. Vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études ou non. Faire des études, c'est bien, ça te donne un plus. On va parler des hard skills, des compétences techniques. Mais ces qualités-là, on les retrouve chez les gens. Je vous cite une seule chose que je cite aux gens, parce que les gens parfois me disent « qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur-là ?» Mais je vous dis que ces gens-là, qui n'ont jamais été l'école que j'ai côtoyé, que je connais, ils ont l'intuition qui est très développée. Ben, l'intuition, elle est très développée. L'hadis. Steftir Kalbek. Ces gens-là, ils te scannent. Mais ils chauffent une opportunité, tu sais, faut que je fais ou les je fais. Et là, Allah a de la qualité, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas chez nous. Il n'est pas développé, il existe. Et il y a des outils pour la développer. Et il faut, d'ailleurs, les jeunes que je vais encadrer, Inch'Allah, quand je vais commencer à appliquer de la méthode, ben, c'est très simple. On va faire recours à des méditations, etc. Et ça développe l'intuition. D'accord? Alors, c'est monsieur Karim qui n'a pas réussi, il a tout le temps peur de l'échec. Peur de perdre de l'argent. Alors, si on a peur de l'échec, on ne va pas réussir. La première fois qu'on a l'échec, on va reculer. Monsieur Yassine, il n'a pas peur de l'échec, il arrive à maîtriser ses peurs. Et puis, pour lui, l'échec, ce n'est qu'une expérience. Et là, on peut citer des exemples qui sont connus. Nelson Mandela a dit, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends quelque chose. Pour lui, il ne perd pas. Edison qui a inventé l'ampoule, l'électricité, a échoué 1000 fois. Je suis désolé, si c'est arrêté au premier pas, on n'aurait pas l'électricité. Il a échoué 1000 fois. Et pour lui, à chaque fois qu'il essaie, il dit c'est une manière de faire la lampe. C'est une manière qu'il n'a pas réussi de faire la lampe. J'essaie une autre, une seule. Michael Jordan, le grand basketballeur américain qui a été rejeté par les entraîneurs plusieurs fois avec sa persistance, finalement, il est devenu, disons, une star au niveau mondial. Il y a Disney aussi qui a été refoulé par son patron parce qu'il n'était pas créatif. Il y a KFC. KFC, il a traîné ses poulets et il a fait le tour du monde. Personne ne voulait jusqu'à ce qu'il est parti en Australie. Et puis, il y a des gens qui ont pris son idée, il est ce qu'il est. D'accord. Donc, pour vous dire que sait ce que c'est que l'échec et ce n'est qu'une expérience, ça n'a jamais tué personne, etc. Donc, même si vous échouez, vous n'allez pas mourir. Parce que votre cerveau là, il a peur, et la peur, c'est quelque chose qui arrive dans le futur qu'on ne connaît même pas. Et alors, tu as peur de quoi? Du futur, il n'est même pas là. Essaye, tu ne vas pas mourir. Mais ton cerveau, il a peur que tu meurs, parce que c'est ça, il est conçu par le bon Dieu comme ça. Donc, c'est Karim qui n'a pas réussi, il ne s'adapte pas aux alias, il se plaint tout le temps. Il fait partie des gens moyens qui trouvent toujours des excuses, des raisons pourquoi ils ne sont pas là, les meilleurs, pourquoi est-ce qu'ils ne réussissent, etc. Par contre, M. Yassine, il est résilient et il ne se plaint pas. D'accord, donc vous voyez, c'est une comparaison. À chaque fois, on peut tirer des enseignements de ces comparaisons. Et si vraiment on veut corroborer ça et aller un peu plus, disons, en avant, il y a une étude qui a été faite sur les 100 plus grandes entreprises start-up américaines qui ont réussi. Ils ont essayé de comprendre quels sont les facteurs clés qui ont fait que ces entreprises ont réussi. À l'étonnement de tout le monde, si on vous pose la même question, la plupart des gens à qui on pose la question, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, dis-je le plus. Non, je suis désolé. L'étude a montré que l'argent, c'est le dernier des soucis de la jeunesse qui réussit sur les États-Unis. D'ailleurs, les États-Unis, ils te disent, et une bonne idée, avoir une équipe, etc., etc. Et puis, l'argent va venir par la suite. D'accord. Donc, je vais vous dire un mot sur l'argent, sur le financement. Donc, 42%, la première raison de réussite, c'est le timing. Le timing.
Bon, nous avons des exemples. Il y a Uber, Airbnb. D'accord. Ce sont des sociétés qui ont vu le jour au moment de la crise, après la crise des subprimes de 2008. Et les gens n'avaient pas d'argent, etc. Donc, ils ne pouvaient pas y chercher des sources de revenus. Et il y a Airbnb qui est venu proposer aux gens de louer une chambre et gagner de l'argent. Ben, c'est astucieux, c'est génial. Parce que lui aussi, il est parti avec son ami. Ils sont passés la nuit dehors et bon, il y a quelqu'un qui les a hébergés. Ils ont dit, pourquoi ? Bon, c'est pas développé du jour au lendemain comme ça, parce qu'il faut acquérir la confiance des gens. Je travaille le dark, il faut qu'il ait confiance. Mais maintenant, ça marche. Uber, la même chose, pour développer des revenus. Au lieu de faire recours à un taxi avec ses structures, ses, toutes les licences, etc. Vous appelez Uber, il vous amène là où vous voulez. Et là, Uber, vous travaillez pour le compte d'Uber, vous avez un véhicule, vous savez conduire, vous connaissez la ville, allez, vous conduisez, et il prend sa commission. D'accord. C'est bien. C'est comme, il y a quelqu'un qui est venu quand je travaillais à la banque et qui voulait participer à un challenge chez nous qu'organise la banque. Et il est venu avec une idée, je l'ai encadré et il a pris le premier prix. Il était dans l'esprit de voir comment digitaliser la vente. Je lui ai dit, d'abord, vous n'allez pas vous adresser à tout le monde. Ça, c'est le conseil numéro un. Il faut choisir une niche pour réussir. Par la suite, si ça marche, alors développer, il n'y a pas de problème. Donc, je lui ai dit, alors, vous ciblez un peu quelque chose de spécial. Et je lui ai proposé de cibler les coopératives de produits de terroir, quelque chose de spécial. Le terroir, produit terroir, vous connaissez, la date l'Mjoul, il y a Ramman Diyarmouli Abdullah, il y a la Clémentine de Berkane, c'est des choses de spéciales qui sont connues, donc on va les cibler. Et il a postulé pour le challenge, il a gagné le challenge, il a gagné 50 000 dirhams, et puis d'aller participer à un challenge au niveau de la Grèce. Donc vous voyez, c'est pas compliqué. Nous avons un autre exemple qui est flagrant, et qui est d'ailleurs, c'est un ingénieur à lauréat de l'Institut agronomique. Et cet ingénieur de lauréat de l'Institut agronomique, quand il est sorti, j'espère qu'on ne déborde pas sur le temps. Hein. Cet ingénieur, quand il est sorti, il est parti travailler à l'Office de mise en valeur agricole du Locos. Il n'a passé même pas 10 mois. D'ailleurs, je le salue, il s'appelle Sihmet. Et il n'a passé même pas 10 mois. Il est parti parce que le directeur de l'office l'appelait. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais de l'agriculture de week-end. Tu n'as pas le droit. J'ai dit, monsieur, mais on a la cigale. Non, tu fais ça ou ça. Demain, le lendemain, il a déposé sa démission. Bien sûr, il a triomballé en tant que salarié pendant 2 à 3 ans chez des sociétés, etc. Et là, en 1994, il y avait la crise. Il y avait la sécheresse flagrante. Et lui, il a loué 2 hectares. Il a pris un crédit de 800 000 dirhams chez la banque et il a fait 2 hectares de melon sous serre. La première récolte, il avait la possibilité de rembourser le crédit, il n'a pas remboursé. Il a fait d'autres hectares sous serre. Maintenant, tabarakallah, il gère 40 hectares sous serre dans le sud et il a des magasins en Rungis. Il fait beaucoup, il a beaucoup d'immobilier, etc. Donc, c'est un monsieur qui n'avait rien. C'est un ami à nous. On le connaît. Il n'avait rien, mais il a profité du bon timing. Et quand il y a une crise, sincèrement, il faut regarder à gauche et à droite. C'est comme quelqu'un, un conférencier du colloque auquel j'ai participé, il a dit, on peut dire que c'est une cerise. C'est pas une crise, une cerise. Ouais, effectivement. C'est la vie. Donc, deuxième raison, c'est 32%, c'est les équipes, c'est l'exécution. Alors, détrompez-vous. Premier, le timing. Deuxième, c'est les équipes, c'est l'exécution. Les gens qui ont réussi ces entreprises, c'est à cause de l'exécution. Et il y a le monsieur là de Facebook qui s'appelle Zuckerberg, je crois, Mark Zuckerberg, et il dit que je ne recrute que les gens pour lesquels j'aimerais travailler. Non, il recrute les gens qui sont plus forts que lui. D'accord? Donc c'est l'exécution, c'est les équipes. Et puis, troisième point, avec 28%, c'est l'idée de produit. C'est l'idée, donc on en a déjà parlé au niveau de l'innovation. Donc l'idée, est-ce que c'est une idée dans un marché qui existe déjà? Est-ce que c'est une idée en dehors du marché ou du pays que je vais importer, que je vais adapter? Est-ce que c'est une idée que je vais copier? Il faut, c'est une idée, une invention pour laquelle je dois créer un marché? Voyez, est-ce que c'est une idée que je vais copier chez les autres, etc. Il y a des gens qui, rien qu'à travers le business model, je suis désolé, mais le business model, rien que les gens qui veulent entreprendre, aller voir des business models chez des gens
qui gagnent beaucoup d'argent, vous leur prenez une part de marché, ça marche. Un autre soir qui est le marché du djej, à 4 soirs qui est à 9 d'être 3 millions. Voilà, mais c'est un business model, il faut aller chercher les business models, essayer de les décortiquer et voir là où on peut apporter une amélioration, parce qu'au niveau des business models, soit on augmente la valeur pour le client, donc on va aller vers le côté du maillon de la valeur, soit on va réduire le coût. Voilà, c'est la structure des coûts. Ce sont deux maillons de la chaîne, du business model. Bien sûr, par la suite, il faut bien penser l'offre, avec la promesse unique de vente, etc., avec les preuves irréfutables et tout ça. Il y a une technique, les techniques pour choisir le produit et l'idée de produit. Ça, c'est connu, ça s'enseigne. Donc, le troisième, c'est le business model. Je vous ai déjà parlé de ça. Je vous ai parlé d'Apple qui a pris le business model de Xerox. Ouais, ils ont envoyé les ingénieurs, ils ont copié le modèle Xerox et ils ont créé Apple. Il y a Captain Train, je ne sais pas si vous connaissez, c'est actuellement, il s'appelle Train Lane, c'est au niveau de l'Angleterre. Ce sont des jeunes étudiants qui ont vu qu'au niveau de la CNCF de France, c'est difficile, ça traîne d'avoir un ticket, etc. Et puis, il y a même la CNCF qui a interdit à ce que des agences commencent à vendre ces tickets, il a été pénalisé. Ils ont sauté sur l'occasion. Ils ont sauté sur l'occasion et ils ont créé une société de vente de tickets online. Ça marche. Et ils ont été rachetés pour des millions d'euros. D'accord. Je vous ai cité Netflix aussi, qui a pris le modèle de Block en Angleterre. Et en dernier lieu, 14% le financement. Et ça, vous demandez à des jeunes. Moi, je demande à des jeunes. Ça fait longtemps. Là, je me dis, le business direct. Pourquoi tu veux que je me dise plus? Et au début, avec une telle argent, je leur dis, mais écoutez, maintenant, on vous donne l'argent. Pourquoi? Ils disent, je ne sais pas comment. Donc, vous voyez que quelque part, les jeunes sont perdus ou bien ils expriment autrement ce qu'ils pensent. Ils ont peut-être peur et ils disent, ils cherchent les prétextes. Et là, j'ouvre une parenthèse rapidement parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui nous regardent sur le programme Intelaf. Il y a des spécialistes pour ça, il y a des banquiers, mais moi, j'en sais quelque chose parce que moi aussi, j'étais banquier. Donc, Intelaf, c'est un programme qui est intéressant. C'est une occasion d'or pour n'importe qui veut créer son entreprise. C'est extraordinaire. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge. C'est un partenariat entre le ministère des Finances, Banque du Maghreb et le groupement professionnel des banques et la Caisse centrale de garantie, bien sûr. Il y a aussi le Fonds Hassan II de solidarité. C'est pas une subvention, c'est un crédit comme les autres. Vous présentez votre dossier et on va juger est-ce que c'est faisable, bancable ou non. Mais la garantie, c'est que vous ne donnez pas de garantie. Vous n'êtes même pas on ne prend même pas votre caution personnelle. Votre garantie personnelle. Si ça ne réussit pas, on vous laisse tranquille. On ne va même pas chercher si vous avez un bien. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et puis, c'est la Caisse centrale de garantie qui garantit 80% du montant du crédit et les 20% qui restent, c'est les éléments du projet, les locaux, etc. Donc, ça a levé la problématique des garanties. D'accord? Avant, il fallait avoir une hypothèque, un bien, une caution hypothécaire. Donc, c'était un peu difficile. Donc, ils ont fait monter ça. C'est un fonds de 2 milliards sur 3 ans, 50% de l'État, 50% des banques, et qui est géré par la CCG. La CCG a juste le milliard pour garantir le crédit. Et puis, comment un peu aller plus loin et construire le système, les banques sont refinancées par Banque du Maghreb à un taux de 1,5% au lieu de 2,5%. Donc, pratiquement, ils ne perdent pas beaucoup d'argent parce qu'ils font prêter à deux. Donc, on les finance. Donc, c'est bien. Pour les banques qui œuvrent dans le rural, ils sont refinancés par le Fonds Hassan II de la solidarité à 0%. Et ils mettent à leur disposition 2 milliards à titre de refinancement. Ils leur donnent 2 milliards, ils les remboursent, mais aucun intérêt. D'accord. On a la possibilité d'avoir jusqu'à 1 200 000 dirhams. Moi, je déconseille aux gens d'aller vers 1 200 000 dirhams. Commencez avec 200 000. Même pas 200 000, disons, allez au maximum à 300 000 et bénéficiez de ce qu'on appelle Start PME. On vous donne 300 000 de crédit et puis on vous donne 20% de 300 000. Si vous prenez, par exemple, 200 000, 20%, c'est 50 000. 50 000, c'est le maximum qu'on vous donne, mais à 0% sur 5 ans. Vous ne payez qu'après 5 ans. Vous avez 50 000 à ne payer qu'après 5 ans et vous avez les 200 000 que vous allez rembourser, bien sûr, avec le taux de 2% ou bien de 1,75 si vous êtes dans le milieu rural.
Et la quantité de financement, ça, c'est un peu spécial parce que quand même, on va pas. Ça, c'est les banques qui l'exigent. Il faut engager le promoteur. S'il ne débourse rien de sa poche, il ne va pas être engagé à 100%. Donc, on leur demande des quantités des apports de entre 10 et 20% du projet. Donc, je croyais que c'était nécessaire de vous faire cette parenthèse sur Intelapra parce que c'est important et je vais vous donner une synthèse rapide. Alors maintenant, on passe au quatrième point qui concerne les compétences entrepreneuriales. Qu'est-ce qui fait qu'une personne réussit ou non? Et, bon, la réussite est relative. En général, c'est la possibilité de devenir plus et mieux sur un ou plusieurs domaines de la vie, sur le plan financier, affectif, social, intellectuel, spirituel. C'est un chemin, c'est pas une fin en soi. Un succès, vous réussissez, puis vous faites des objectifs, vous réussissez, etc. C'est un parcours. Il n'y a pas de pilule magique, il n'y a pas de code à craquer pour les jeunes. Il faut apprendre, se former, aller voir les gens qui ont déjà réussi, disposer des outils et être encadré. D'abord, nous avons parlé d'Ertmzien, c'est bien, mais moi je pense qu'il va falloir aller au-delà parce que ça ne sert à rien de donner de l'argent aux jeunes, il faut les accompagner. Et moi je le dis, je le répète, même dans des déclarations de presse, j'ai dit qu'il faut sensibiliser les jeunes, il faut créer de l'accompagnement. C'est normal, vous le prenez pendant 2 ans, maximum 2-3 ans, et dire c'est ce qu'il faut faire parce que c'est. Sinon, un jeune qui sort de l'école, il n'y a pas beaucoup de chances qu'il réussisse. D'accord. Donc, je vous conseille d'aller voir les gens qui ont réussi, les structures d'accompagnement, etc. Ça existe. On commence à faire des incubateurs au niveau des universités, des écoles. Il faut y aller. D'accord. Donc, les clés de succès en business sont liées à 3 principales compétences. Alors, la première compétence clé, c'est ce qu'on appelle le mindset, l'état d'esprit. Ça, on ne l'enseigne pas à l'école. La deuxième compétence, c'est les soft skills. On n'enseigne pas à l'école. On commence à enseigner pas certaines écoles. Ça commence. Et puis, il y a les hard skills, c'est-à-dire les compétences techniques. Et là, ça, c'est ce qu'on enseigne dans les écoles. Par analogie, je peux vous faire une analogie de ces 3 composantes qui sont nécessaires. C'est comme un boxeur. Un boxeur, il n'a pas besoin que de technique. Il a besoin de technique. Il a besoin d'agilité, de rapidité. Il a besoin d'endurance. Dans l'exemple des arts martiaux, j'aime raconter une petite histoire. Et excusez-moi parce que même si on déborde sur le temps, je suis désolé, mais c'est quand même des messages clés. Dans les arts martiaux, il y a un monsieur qui avait, je crois, un 7e dan dans les arts martiaux. Il voulait encore se perfectionner, réussir encore mieux. Il est parti au Japon pour avoir un grand maître des arts martiaux. Il lui a dit, monsieur, moi, je veux apprendre. Il lui a dit, c'est bien. Donc, il l'a laissé pendant une année. Il descend dans la vallée. Il remplit les seaux avec de l'eau. Il remonte la vallée. Il descend, il remonte. Un jour, il lui a dit, monsieur, mais ça fait une année que je fais la même chose. Désolé, moi, je veux apprendre des choses. Il lui a dit, d'accord, maintenant, après une année, tu as formé tes muscles, tu as dressé ta santé, c'est une base, la première base. On passe à la deuxième étape. Et il a passé encore une année, il lui a appris des techniques, à sauter sur des troncs d'arbres, à faire des techniques, à apprendre des katas, etc. Le monsieur, après une année, il en avait ras-le-bol, il a dit, je n'ai pas fait ce chemin pour vraiment apprendre ça. Et il est parti voir le maître, lui dit, monsieur, je suis désolé, je veux partir. Il lui dit, pourquoi? Il lui a dit, non, patiente, viens avec moi. Il l'a amené devant une falaise, une grande falaise, qui est profonde de 200 mètres. Il y a un tronc d'arbre qui fait le passage entre la rive et l'autre rive. Et il lui a dit, allez-y, va traverser. Mais il lui a dit, monsieur, non, mais je suis désolé, vous me demandez de me suicider. Il lui a dit, voilà, vous allez comprendre pourquoi il y a des étapes à suivre. Et il lui a dit, comment? Il lui a dit, écoute. Et puis, il y a quelqu'un qui venait, qui faisait des bruits, tac, tac, tac. Il s'est retourné, il a vu un vieux sage, un vieux monsieur qui avait une canne, qui ne voyait pas et qui venait chercher. Il voulait aller vers l'autre rive. Et il est arrivé au niveau du tronc de l'arbre, il a touché l'arbre et il est passé. Il lui a dit, voilà,
Tu veux apprendre des choses, il faut apprendre étape par étape. Tu ne vas pas sauter du coq à l'âne. Non, il faut passer par les étapes. Et ce monsieur-là qui est non-voyant avec sa canne, c'est quelqu'un qui arrive à maîtriser son esprit, qui est vraiment très fort. Très fort. On a beaucoup d'histoires qu'on raconte ici dans les arts martiaux. Donc, vous voyez, il faut un mindset spécial, un état d'esprit spécial, il faut des soft skills, il faut des hard skills. Alors, le mindset d'entrepreneur à succès, le mindset, c'est quoi? C'est la manière de penser. C'est devenir la meilleure version de soi. Chacun de nous a une meilleure version de soi. Il faut se demander qui nous sommes, essayer un peu d'aller faire un peu de développement personnel, essayer de comprendre pas mal de choses. Surtout que notre esprit n'est pas programmé pour réussir. Hein. Vous pouvez connaître tous les arts, les techniques du business, le marketing, négociation, vente, finance, stratégie, organisation, tout ce que vous voulez. Vous n'allez pas réussir le business. C'est un état d'esprit d'abord, c'est des soft skills par la suite et c'est des compétences techniques. Et même les compétences techniques, les gens qui réussissent, ils embauchent des gens qui ont ces compétences techniques, qui ont 10 000 ou 20 000 dirhams et puis c'est terminé. Vous voyez? Donc, l'être humain, il fonctionne avec des habitudes, d'accord? Nous avons des schémas de décision inconscients qui sont là. Il y a une petite voix à l'intérieur de nous qui à chaque fois nous dit, voilà, les chats dit, pourquoi? Donc, les gens qui réussissent, ils vont sortir de l'habituel pour aller vers l'inhabituel. Et ça, réfléchissez bien, essayez de sortir de l'habituel, aller vers ce qui n'est pas habituel et vous allez voir que votre vie va changer. D'accord, il faut envoyer au cerveau des mots, comme on l'a dit, et c'est le carburant qui essaie de le motiver. D'accord, il faut des rituels aussi, comme à titre de mindset, c'est des gens qui font des rituels, ils font régulièrement du sport. Il y a un monsieur, un feu monsieur, un grand patron du business, ici à Qnitra, qui est décédé de l'Airhmo, qui n'a jamais été à l'école. Mais il fait 6 km chaque jour, chaque matin. Il s'organise la vie, la veille, qu'est-ce qu'il va faire, quelles sont les tâches, les gens lisent des livres. Ils font la visualisation et ils fêtent le succès. Quand quelqu'un réussit, il va fêter le succès. Vous aussi, faites-le. Vous allez donner des messages. Vous allez sécréter de l'endorphine. Vous allez dire à votre cerveau, tiens, voilà, moi, j'ai réussi. Voilà, je te donne l'endorphine, je suis content. Je vais m'acheter une montre, je vais voyager, je vais m'offrir un repas extraordinaire, etc. Fêtez le succès parce que le cerveau, voilà, il est là pour vous dire non. Mais il va vous aider. Et bien sûr, il y a des gens qui constamment constamment à recharger ses batteries. D'accord, donc pour ne pas tarder, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, les soft skills, là ce sont des compétences comportementales. Ce sont des compétences humaines qu'on ne peut pas déléguer à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va venir, mais il ne changera jamais la créativité, il ne changera jamais comment être motivé, comment être créatif, comment gérer ses émotions, d'accord, comment avoir de l'empathie, être capable de se mettre à la place de l'autre, la résilience, capable de rebondir après l'échec, l'intuition, la gestion du stress, la persévérance, vous voyez, l'adaptabilité, tout ça, ce sont des soft skills, c'est des qualités personnelles qu'on retrouve chez les grands messieurs qui ont réussi au niveau international. Ce sont elles qui vont nous permettre, bien sûr, de nous adapter aux changements qui vont être implémentés par l'intelligence artificielle. Allez, hard skills, ce n'est pas la peine que je vous dise, je m'attarde là-dessus, vous les connaissez, on nous apprend comment faire son organisation, structure organisationnelle, gestion du temps, planification, logistique, stratégie, position stratégique, planification, veille concurrentielle, tout ce que vous voulez, gestion des ressources humaines, gestion des équipes, leadership. La gestion financière, comptabilité, tout ça, c'est des hard skills, c'est des compétences techniques. On les enseigne à l'école, c'est bien, c'est un plus. Alors maintenant, pour terminer, il y a pas que ces aspects. Je vais vous donner des exemples de règles de succès et je vous recommande de lire un livre qu'a écrit Napoléon Hill qui s'appelle Think and Grow Rich. Napoléon Hill, c'est quelqu'un qui... Il y avait un grand milliardaire américain qui s'appelle Dale Carnegie. Il était le plus riche du monde, pratiquement sous Dale Carnegie. Il a diligenté Napoléon Hill, qui était un journaliste. Il lui a dit, je te donne l'argent qu'il faut. Va étudier les 500 plus grosses fortunes du monde et trouve-moi quelles sont les principales clés de réussite. Et il a passé 20 ans à faire ça. Et il a fait un livre où il y a 22 clés de succès, de raisons de succès. Et parmi ces lois et figures, bien sûr, fixées dans vos esprits, d'ailleurs dans
les programmes que j'ai suivis, on nous demande, on dit, vous voulez faire des affaires? Bien sûr. Fixez combien vous voulez avoir d'ici la fin de l'année. C'est très important. Fixez dans votre esprit la quantité d'argent que vous souhaitez avoir. Il y a un monsieur qui, dans le film de Secret, je vous le recommande aussi, qui a réussi et qui a pris un billet de $100 et qui a écrit là-dessus, au lieu de 100, il a écrit 10 millions de dollars. Il le regardait chaque matin. Il y a un autre aussi qui a réussi, qui a fait une photo d'une maison de ses rêves, de sa voiture, et il le voyait en cachette chaque matin. Donc, vous donnez des messages à votre esprit et ils ont fini par réussir. D'accord? C'est-à-dire définir exactement ce que vous voulez faire. Il faut écrire un plan précis sur comment vous comptez obtenir les résultats. Écrire une déclaration d'engagement claire et précise qui contient exactement les sacrifices et les choses qu'il faut faire. Et il faut lire cette déclaration d'engagement à haute voix deux fois par jour. Ça, c'est des clés qui sont très simples. Donc, je vous recommande le livre de ce monsieur-là, Napoléon Hill, et je vous recommande de voir le film de Secret. Les règles de succès des entrepreneurs, les gourous qui sont connus au niveau international, je les ai regroupés, j'ai essayé un peu de faire une recherche. D'ailleurs, ça existe sur l'Internet. Il y a Warren Buffett qui est connu, c'est un archi-milliardaire américain. Il y a Bill Gates, il y a Jack Ma qui a créé le Alibaba, une plateforme de commerce. C'est un Chinois qui est parti aux États-Unis, qui a été rejeté par la Harvard Business School. Et puis, avec ses amis, il a collecté un peu d'argent. Il a fait une plateforme de commerciale. Maintenant, il vous vend des magasins, des boutiques en ligne. Vous achetez. Alibaba, il est connu. Il y a Elon Musk, Jordan Belfort, Sylvester Stallone, Michael Gerber, Simon Sinek, Robert Kiyosaki, Mark Zuckerberg, Bob Proctor. Ce sont des gens cool, qui ont les 10 raisons principales qui ont fait leur succès. Et je les ai résumées. Et on retrouve, je vais les citer, c'est pas la peine de les expliquer en détail. Il faut rester focus sur l'activité. Focus. Faut pas se disperser sur plusieurs choses. Quand vous voulez faire quelque chose et réussir, faites une seule chose à la fois. Et puis, quand ça marche, allez-y, faites autre chose. Ne pas se plaindre. Agir malgré la peur. Et ça, il faut s'entraîner. Parce que la peur, c'est l'ennemi, notre ennemi numéro un. Être habitué au rejet. Il y a des gens qui évitent le rejet, mais ils brichent. Non. Il faut pas avoir de peur du rejet. Accepter l'échec, on a déjà parlé. Gérer bien son temps et ne pas le gaspiller. Penser riche, donc éliminer les mauvaises habitudes et mettre en place, aller vers l'inhabituel, les bonnes habitudes. Il y a aussi, il faut éliminer les croyances, les mauvaises croyances. Nous tous avons des croyances. Quand je vous ai parlé un peu du subconscient, c'est comme une bibliothèque. Une bibliothèque qui était vide. Il n'y avait aucun livre quand on était né. Quand on était bébé, c'était une bibliothèque qui est vide. Et avec le temps, elle a été remplie. Par les parents, il a été rempli par les amis, il a été rempli par les camions de tram, il a été rempli avec l'expérience d'Yannamar Flayat, il a été rempli. Et puis, il y a certaines choses qu'on prend pour vrai. Ah, les parents, tu es Scott, tu as fait moi, c'est pas bon du tout. Mais tu as fait moi, ça va être la raison. Et avec le temps, on emmagasine, et ces croyances-là, c'est comme un monstre. Quand vous voulez faire quelque chose, le monstre, il sort. Tu te dis, arrête, qu'est-ce que tu veux, il y a danger. Vous voyez, donc, il y a des techniques pour enlever les mauvaises croyances et pour implanter les bonnes croyances, pour les habitudes, la même chose. Sachez que quand vous voulez faire quelque chose, de faire une habitude qui devient régulière, essayez-le. Et on dit que 22 jours, vous pouvez mettre en place une habitude. Vous vous inscrivez dans une salle de sport. Ça va l'air d'aller pendant 22 jours, un mois. Et vous allez voir que vous allez devenir régulier. C'est là, la première semaine, le cerveau directif, qu'est-ce que tu fais? Vous voyez, donc, il y a l'habitude. Pour mettre en place une nouvelle habitude, il faut la répéter. C'est la répétition. La répétition est la mère de l'apprentissage. Il faut répéter. D'accord? Il faut bien sûr une bonne hygiène de vie. Parce que si on veut avoir une tête bien faite, qui réfléchit, qui fait le travail, il faut avoir une alimentation saine, il faut faire du sport, il faut être équilibré sur le plan spirituel, le sommeil aussi, il y a toute une science sur le sommeil réparateur, etc. Donc, travailler dur, bien gérer ses émotions, et ça c'est toute une science pour gérer ses émotions. C'est tout un certain temps de choses qui sont là pour gérer les émotions, et ça c'est en lien avec les pensées.
Vous pensez quelque chose, il y a un déclenchement d'une émotion et vous faites une action. Il m'est arrivé une fois, je conduisais mon véhicule sur l'autoroute et puis il y a un monsieur qui est un moul camion qui est venu, il allait me faire un coup de poisson. Voilà, nous faut que je n'ai pas dit qu'elle dit "Smehli Allah khalik rachet wahed". Oh, بغيت نسبو كاع ولا j'étais en colère. Mais finalement, il m'a dit "Smehli Allah khalik je transporte du verre, des miroirs en verre." Et j'ai vu une fosse, je ne pouvais pas casser tout, donc j'étais obligé, je suis désolé. Donc, vous voyez, on réagit rapidement, et c'est pendant les premières secondes qu'on peut contrôler cette émotion, soit une colère, soit une peur, soit... Donc, c'est ça, les émotions. D'accord ? Donc, il faut être aligné sur ces valeurs, c'est très important. Si on n'est pas aligné sur ces valeurs, on risque d'avoir la déprime, la dépression. Il y a des techniques pour... Peut-être qu'on a maintenant une centaine de valeurs, tu dois les classer et sortir les 5 ou 6 principale valeur qui te guide dans ta vie. Moi, je peux vous dire mes valeurs. Ah, c'est simple. Il y a la responsabilité, il y a la dignité. Responsabilité, dignité, solidarité. Je suis solidaire, il n'y a pas de problème. Je sais ce que c'est que responsable, je sais ce que c'est que vraiment responsable. Je ne veux pas que... j'assume un peu les choix, etc. Et j'accepte les conséquences, quelles que soient positives ou négatives. Et je peux vous citer d'autres, il y en a 6. Donc, il y a le succès aussi, c'est une de mes valeurs. Donc, ce sont ces valeurs-là qui guident un peu, qui orientent. Et si vous êtes en contradiction avec vos valeurs, vous n'allez pas réussir. Si vous croyez que être bien, c'est bien, donc, avoir une bonne relation avec les gens, aider les gens, etc. Et là, vous allez avoir une business et en contradiction avec ça, vous n'allez pas réussir. Vous n'allez pas réussir. D'accord? Alors, il y a beaucoup d'éléments qui reviennent à chaque fois. Développer l'imagination, la curiosité, changer de paradigme. Changer de paradigme, il y a un fameux monsieur qui est connu pour cet aspect-là, qui s'appelle Bob Proctor. Il fait des cours et c'est payant. J'ai suivi pas mal de ses cours. Et il parle de paradigme. Il parle que nous avons des petits programmes informatiques dans la tête qui font qu'on réagit, qu'on agit d'une certaine façon. Et lui, il propose des techniques pour changer le paradigme. Ah, programmation, ma kainch. Kainch, ouah, finalement, il y a une programmation qui a été construite à travers le temps. Et cette programmation, peut-être, elle est bien faite et on va réussir. Ou il n'est pas bien faite et on a des problèmes. D'accord? Mais ça se corrige. Il y a des techniques pour ça. Avoir une relation saine à l'argent. Ça, c'est important aussi. Il faut avoir une relation, ça s'enseigne, ça. Il ne faut pas avoir des mauvaises croyances sur l'argent ou les goules que l'argent ne fait pas le bonheur ou là, maintenant, on dit, neuf din, à tort. L'arzak biyadillah, oui, mais l'arzak biyadillah, on est rebite, il goules que tawakkal Allah, il faut tawakkal Allah. Tayri, la matache, s'bah, il me chie, il me chie, l'arzak diyal, ou ma radichi, je suis désolé. Tawakkal Allah, ou l'arzak biyadillah, rebite, aounek, c'est bien. Voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a l'intuition dont je vous ai parlé, l'agilité mentale, etc. La méditation aussi, il faut faire beaucoup de méditation parce que ça travaille la plasticité du cerveau et ça règle pas mal de problématiques. Voilà, je suis sur le bout de terminer, donc j'ai quelques recommandations. Donc, quand vous allez sortir de l'école, ne faites pas comme la masse. Il faut avoir une ambition, disons. Soit vous optez pour le travail qu'il faut, n'allez pas chercher le premier travail que vous avez. Si vous cherchez le travail, vous risquez de finir par avoir un travail qui ne vous convient pas, sur lequel vous n'allez pas vous épanouir. D'accord? Donc, on peut envisager de travailler pendant 3 ans, juste le temps de s'habituer et voir si ça marche, tant mieux. Sinon, il faut changer d'orientation. Ne choisissez pas d'échanger votre temps contre l'argent, parce qu'il n'y a que 24 heures par semaine. Donc, si vous changez votre temps contre l'argent, tu ne vas pas aller plus loin. D'accord? Donc, il faut opter pour du business et investissez, s'il vous plaît. Allez, je vous ai expliqué qu'en quoi le cerveau, il ne fait que ce que vous lui dites, les mots et les images. Donc, quand vous allez commencer à épargner, vous vous demandez d'épargner, oui. Parce que le but, c'est pas de gérer l'argent. Le but, c'est que tu vas dompter ton esprit, tu vas l'habituer, il va t'encourager. Donc, il faut épargner. Donc, la règle, c'est qu'il faut épargner au minimum 10, sinon 20% de ce que vous revenez. Vous dites, ben, non, hein, j'ai une filmée de flux, d'yali. Mais j'ai dit la famille, ou la dit le dréri, ou la dit le sahabi, ou la dit le loisir. Adi, d'yali, c'est pour moi, je, un accord de carfasse, 20%.
D'accord. Donc, ça, c'est. Et là, ça déclenche l'esprit d'investissement. Il faut aller vers l'immobilier. L'agriculture, c'est bien. Vous voyez que ça n'a pas été impacté. C'est bien. Vous faites l'arboriculture, vous faites ce que vous voulez. N'allez pas vous hasarder dans des trucs d'engraissement parce que c'est pas facile. Le maraîchage, c'est difficile parce qu'il y a soc, il y a les maladies. Mais pour quelqu'un libre, a dit il y a quelques enveloppants de terre, il y a de l'arboriculture. Moi, quand j'ai travaillé dans la région de l'Arabe, je connais les gens qui ont commencé dans la fraise ou dans l'avocatier. L'avocatier, maintenant, il rapporte 300 000 dirhams par an de bénéfices. Alors que la fraise, dans le temps, il rapportait 50 000, peut-être 20 000, on disait. Imaginez, il y a 10 000 ou 5 000 de l'avocatier. Ça y est, terminé, tu es libre, tu peux faire ce que tu veux. C'est Qaraou, c'est Khdem, c'est tout ce que tu veux. Tu voyages, tu achètes la voiture que tu veux, etc. Donc, il faut investir. L'immobilier aussi, c'est quelque chose de sûr qui ne change pas. Il faut investir dans l'immobilier. Investir. C'est là que vous avez dit, investissez dans l'immobilier. D'accord. Il n'y a pas de rêve impossible. Apprenez à devenir meilleur, mais il n'y a pas de formule magique. Il faut apprendre. Il faut s'entourer de mentors, de gens expérimentés. Et il y a une passion. Chacun de nous a des talents. Découvrez vos talents. Découvrez votre passion et il faut y aller. N'ayez pas peur de l'échec. Cherchez des idées. Délivrez de la valeur. Ne vous plaignez pas, n'ayez pas d'excuses. Finalement, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Si vous êtes déjà conscient de ça, qu'on est tous plus forts qu'on ne le pense, parce que l'être humain ne valorise jamais ses victoires, il ne pense que à ses faiblesses. Il a surmonté et il saura qu'en quoi on est plus fort qu'on le pense. Voilà, merci beaucoup. Désolé, j'ai un peu tardé, mais merci beaucoup. Donc voilà, monsieur, sans aucun doute, tout le monde a tiré profit de votre intervention. J'ai débordé sur le temps, mais je crois que c'est ma passion. Là, je suis passionné, désolé, vous ne pouvez pas m'arrêter. C'est ça la passion. On vous remercie. J'espère que ça a été riche. Votre temps et pour l'intérêt que vous portez à la bonne formation et au bon accompagnement des jeunes étudiants pour créer leur propre business. Donc, je pense qu'on va devoir passer directement aux questions de nos téléspectateurs sur Facebook et sur YouTube. Donc, directement, la première question de la part de M. Khalil Hesnaoui. Donc, est-ce que nous avons... Il y a des écoles d'agronomie fraîchement diplômées. Alors, la réponse, elle est toute simple. Je vous ai parlé d'un télaka. Un télaka, il n'y a pas de garantie. Il y a des taux d'intérêt de 1,75%, on ne trouvera pas mieux. S'il vous plaît, allez-y. Bon, maintenant, pour les étudiants, les baqui l'homme du temps, Bachadi Tarjou, etc. Mais j'espère qu'on va conduire l'expérience Ilanjhat. Mais c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous êtes ingénieur, vous avez le savoir, vous vous encadrez, vous allez voir les gens qui ont réussi, demander leur conseil, etc. Allez faire la chose pour laquelle vous êtes passionné, vous êtes ingénieur passionné par l'agriculture, faites-le. C'est bien, mais qu'est-ce que vous voulez, les solutions de financement? Il n'y a pas d'autre solution avant. Là, tu me chies en tant que jeune, j'ai indiqué la banque à me dire que c'est un peu financé. Pour la simple raison que, on a dit qu'il y a des garanties, on a dit qu'un autofinancement. Et en plus, on a dit qu'il y a des garanties, c'est difficile. Mais si vraiment tu fais un business plan, un business model d'abord, avec un business plan qui tient la route, et tu montres, tu es encadré par quelqu'un qui s'y connaît, tu vas voir le banquier, tu vas le descendre, je suis désolé, tu vas le convaincre, il va te financer. Tu es jeune, tu es laurier, etc. Bah, le banquier, dans le temps, il investit à fond perdu parce que tu es goulé que chez nous, notre CEO, Laïd Krobikhir, a une vision spéciale. Parfois, quand les choses sont difficiles, il vaut mieux éviter de s'hasarder dans des choses quitte à perdre des bonnes opportunités. Mais maintenant, les banquiers, parce que si ça ne marche pas, il va se retourner contre la caisse centrale de garantie, il va avoir ses 80%. Et même pour le financement, il se fait sur sa fonds propre, il se fait refinancer par Banque Mondiale. Donc, c'est la solution pour le moment. D'accord. Ça, c'est la source de financement, on ne peut pas trouver mieux. Donc, on passe à la deuxième question de Abdullah Dahdi. Donc, au niveau de la nouvelle stratégie Green Generation, il y a tout un axe réservé à l'entrepreneuriat en milieu rural. Que pensez-vous de cette question, vu la problématique socio-économique au niveau du monde rural et la fragilité du système agricole marocain?
Moi, je crois que maintenant, il y a une stratégie de développement du milieu rural et on n'a pas le choix que d'aller développer le milieu rural. Et les gens, ils ont fait des réflexions parce que les affaires du milieu rural. Est-ce qu'il y a maintenant des clients qui vont payer, etc. Mais maintenant, ça évolue, le milieu rural. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire au niveau du milieu rural, à titre de, par exemple, tout ce qui est touristique, tout ce qui est commerce, tout ce qui est service, on peut le faire. Et maintenant, on encourage les promoteurs, les investisseurs qui veulent aller dans le milieu rural et on leur donne des crédits à 1,75% sans garantie. C'est-à-dire une école, c'est-à-dire une crèche, c'est-à-dire un service, je ne sais pas, de conseil aux ruraux, etc. Donc, c'est une fragilité, mais on n'a pas le choix. Qu'on le veuille ou non, on va attendre ce qu'il y a eu en France. Les États-Unis, ça fait des grosses structures, etc. Mais chez nous, c'est un maillon qui est faible chez nous. Et la population rurale dépasse la moitié de la population du pays. Il y a du business. Il y a du business. Alors, c'est D'accord. La question suivante de Esma Nejmi. Donc, comment pourrais-je m'assurer en général que mon timing est correct et que c'est la bonne période d'ouvrir le business? Donc, c'est-à-dire quelques critères ou quelques exemples, si vous pouvez. Ouais, il n'y a pas, normalement, il n'y a pas de date ou de bonne date pour démarrer un business. Vous avez, par exemple, trouvé l'idée de business, vous allez le copier, vous voulez faire quelque chose, faites-le. Allez-y, il n'y a pas. Mais moi, quand j'ai parlé un peu du timing, les gens qui ont réussi, ils ont profité du timing, ben, c'est normal. Si maintenant, par exemple, je vous donne un exemple. Had le timing حاليا, actuellement. Et une opportunité extraordinaire, extraordinaire. Il y a des gens qui avaient des business, ils ont fermé. Il y a des gens qui avaient des business en dur, il faut aller se déplacer à Ndoubachirimino. Had les gens, awol merci, dire une page web. Had les gens, merci, mais dire mon restaurant, ou la moun, je ne sais pas, mon magasin, aïe dire un site web, ou dire un moyen de vendre en ligne. Ou dire un système de livraison. Ichirimino à distance. Bah, ce sont des opportunités, c'est ça. Donc, had le timing, il est intéressant parce qu'il y a des opportunités. Mais si on a une bonne idée business, il faut y aller, il n'y a pas de timing. Faut pas timing, il faut avoir l'idée, il faut bien la travailler, il faut la mûrir, et puis par la suite, il faut la tester auprès du marché et voir est-ce que ça marche, ou là, est-ce qu'il y a des acheteurs ou là qui vont payer. Ça sert à rien d'avoir un produit en bête, mais chez nous, chez nous. Donc, une fois que tu as testé, là, tu construis ton business doucement, doucement, tu commences petit pour ne pas avoir de problème. Et quand tu sens que ça va, tu. D'ailleurs, moi, quand je vous ai expliqué là, la logique procédurale, c'est-à-dire l'effectuation versus la logique causale. Dans la logique causale, il y a les cas qui le camelé. Dans la logique, on fait ça, le business plan, on fait ça, mais jamais on va faire ça. Les gens qui ont réussi, ça ne les connaissent pas. Les marmots ont gardé la logique là où ils ont, qu'ils doivent d'ajuster et de s'adapter. Ok, ils doivent chouiller, ils doivent essayer de faire ça, marche pas, ils doivent faire ça, etc. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'exemples qui sont connus, les Cape des petits tests à gauche et à droite, pour un truc qu'il a trouvé à l'étranger, une quiche, ou là, je ne sais pas, les il va commencer à aller voir les amis, la famille, etc. Il va dire, chez un restaurant pour lui proposer ça, chez Régoulou, il va les intéresser, etc. Mais c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Les jeunes, on va commencer ça. Il faut pas commencer grand, il faut commencer petit, être bien encadré et aller doucement et ça marche. Bien sûr, il faut être encadré, il faut suivre des formations, etc. Il faut un peu dompter le cheval, le subconscient qui nous fait des mauvais tours. Il faut le dompter pour ne pas avoir peur, pour laisser, etc. C'est normal, c'est humain. C'est humain, c'est humain. Tout le monde a le subconscient qui traite des milliards de données comparé à un petit mental qui traite même pas 10% des données. Donc, et on est dépassé, hein, après, la logique, on lâche. Donc, il faut essayer, execution, exécuter, essayer, tester, ajuster, corriger. Ça va? Allez-y, Oui, Hadi. ça va. Donc, notre quatrième question de la part de Rihab Eljana Akawi. Comment peut-on assurer la réussite de notre entreprise et pas une perte d'argent et d'efforts? Alors, d'abord, il faut assumer qu'il y a un risque. Ça, c'est normal. Parce que les études l'ont montré, en un cliquant.
la moitié des entreprises disparaissent au bout de 5 ans. Ça ne doit pas vous faire peur. Les États-Unis, c'est comme ça. Ils ont fait des affaires et ils ont des affaires. Mais un jour, ils ont fait des affaires. Ils ont fait des affaires. Ça va, très bien. Quand ça va cartonner, ça va cartonner. Il a quand même de l'esprit. Ça va, qu'est-ce que vous perdez? Vous perdez qu'à essayer. Maintenant, question d'argent. La logique procédurale, il dit une chose qui est très importante. On maîtrise pas l'avenir, les prévisions. Donc, on s'en fiche de dire ce qui va se passer. On va tester, on va agir, etc. Contrairement à l'autre procédure, où on fait un business plan, la procédure Kozan, on fait un business plan, on se projette, on va faire. Faites, s'il vous plaît. Quand vous allez entrer dans la réalité, vous faites entrer en jeu vos émotions, il y a l'environnement, etc., vous allez avoir des problèmes. Donc, moi, ce que je conseille, c'est que, un, la réussite, il y a des qualités entrepreneuriales qu'il faut apprendre et il faut être bien encadré, il faut lire, etc. Deuxième chose, commencez petit. Abda Sidi, avec la somme d'argent que il aime chat Allah nia. C'est la perte tolérable, c'est ce qu'on appelle la perte tolérable. D'accord? D'accord, donc la question suivante de Bdihel Haidawi. Après la pandémie de COVID-19, quels sont les ajustements à prévoir et les priorités qui surgissent tenant compte des effets de cette pandémie? Et donc, est-ce que l'entrepreneuriat sera-t-elle orienté davantage au social, beaucoup plus qu'à la recherche de profit à autrui? Ça, c'est une bonne question, mais il faut la poser à l'État. Mais toujours aussi, moi, ce que je pense, c'est que à de la pandémie de COVID-19, ce qu'il a engendré de bien, c'est que c'est pas de bien, mais c'est une remise en cause. Et je crois qu'il ne faut pas continuer à dire « on a des problèmes, le social, etc. Nous avons des structures familiales, des entreprises à caractère familial, nous avons un dîner. » Non, il faut se remettre au travail et réfléchir à long terme, dans 20 ans, 30 ans. Et moi, je l'ai dit, la ressource humaine, c'est les jeunes. Vous investissez dans la matière grise des jeunes, vous allez réussir. Sinon, si on commence vraiment à croire que donc les patrons, ou moi qui savent le tout, non. Il faut associer la ressource humaine. C'est des cerveaux, c'est de la matière grise. C'est des milliards, 400 milliards de neurones. C'est de la matière grise. Il est mis à profit ailleurs, il faut qu'on la mette en à profit chez nous. Et il y a les pays asiatiques en voie de développement qui explosent. Il y a maintenant les pays de l'Afrique de l'Ouest qui vraiment de l'Est qui nous dépassent de loin parce qu'ils s'y mettent et ils valorisent la ressource humaine. Alors là, quand on a des chiffres avec les enfants, même si on a des chiffres avec les enfants, des structures d'accompagnement gratuites, etc., pour les aider. On va pas réussir. Mais cette crise-là, moi, je dis, si vraiment on doit avoir quelque chose en tête, et si vraiment on se met de la tête, si la crise revient là, ou là, il continue, est-ce qu'il y a l'alternative? Réfléchissons. Et l'alternative, il y a une innovation entrepreneuriale et managériale. L'innovation entrepreneuriale, c'est des entrepreneurs innovants, c'est des gens qui font l'entrepreneuriat, qui gèrent l'innovation. L'innovation, quand on dit innovation, c'est des solutions nouvelles, c'est des adaptations, c'est des changements structurels, organisationnels, etc. Vous avez des jeunes, vous les formez à ça, très bien, vous n'avez pas peur de l'entreprise. Il y a une agilité qui est installée, et vous n'allez pas avoir de problème. L'innovation managériale, il faut changer les modes de management chez nous, etc. Moi, j'ai géré 300 personnes, alhamdoulilah, quand j'étais directeur régional de l'ARB. Vous pouvez leur demander, mais c'est des gens, ce n'est pas moi qui fais tout, ce sont eux. Il suffit de les motiver, de les mobiliser, et de dire « on a besoin de charger ». Il y a beaucoup de gens qui regardent. Je sais qu'il y a des directeurs et des gens qui ont travaillé avec moi qui savent ça. Et on, à chaque fois qu'on réussit, on va célébrer le succès. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui, quand on se réunit, on demande pas, non, est-ce qu'on peut aider le monsieur qui n'a pas fait? Il faut encourager l'être humain. L'être humain, il est exceptionnel. Respecte-le, encourage-le et voilà, voilà, mademoiselle. Donc, notre dernière question ce soir de Tmanuske. Donc, entre les marchés traditionnels et ceux de e-commerce, lesquels sont les plus adaptés dans la situation du Maroc et lesquels seront plus bénéfiques?
Je crois que ça, c'est une question d'un peu, un aspect beaucoup plus économique, mais disons le marché traditionnel, disons toutes les activités traditionnelles seront amenées à être digitalisées, avec qu'on le veuille ou pas, sincèrement. Il y avait des gens qui ne savaient même pas comment aller chercher l'argent le guichet, ou quand on essaie de là, ou au milieu. D'abord, les gens se débrouillent. Il n'y a pas de problème. Mais toutes les activités traditionnelles, maintenant, vont être digitalisées, qu'on le veuille ou non. Mais ceux qui vont être les premiers à digitaliser, ils vont gagner. Et digitaliser, ce n'est pas compliqué. Avoir une page web, ce n'est pas compliqué. N'importe qui peut la faire. Avoir un site web, oui. On peut voir une agence qui développe ça. Et là, c'est une idée business. J'aimerais bien qu'une bonne partie des étudiants s'orientent vers ça et commencent un peu à travailler sur les sites web, la chaîne YouTube, etc. Une page Facebook. Facebook, il est fait, bon, bien sûr, pour le trafic, etc. Mais il y a des gens intelligents qui profitent de ça et qui font de leur page Facebook un moyen de vendre, etc. Il y a LinkedIn aussi. Moi, je suis très actif sur LinkedIn. J'ai pratiquement 6000 gens avec qui j'interagis. Mais c'est une mine d'or. Il y a des professionnels, il y a des professeurs, il y a des... Donc, digitalisation, moi, il n'y a pas que l'e-commerce. L'e-commerce, c'est une partie qui a commencé déjà, qui est florissante. Prenez le cas d'Amazon, où je peux vous raconter l'histoire d'Amazon qui va acheter au Qatar, c'est un peu spécial, vous allez être étonnés. Mais l'e-commerce, il n'y a pas de solution. C'est une alternative qui va compléter le traditionnel. Alors moi, je vous dis, c'est une idée business. Vous allez aller à un restaurateur qui va 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 aller à un petit programme. Vous allez aller à un restaurateur qui va aller à un restaurateur le commerce qui va aller à un local. Mais je vais t'aider un peu à commencer à faire de la publicité, à vendre online, etc. Ça, c'est la digitalisation. On sera amené à faire ça. On sera amené aussi à digitaliser une bonne partie des trucs administratifs. On a vécu l'expérience. Les gens ont été obligés maintenant de travailler à distance. Ben, ça n'a pas baissé en termes de rentabilité. L'ex, au lieu de pas être le bureau, ou les locaux, ou les immeubles, ou ça, l'avenir va faire qu'on va faire le télétravail. Je vais te recruter, on va le faire, on va le faire, on va le faire, le suivi d'elle. Ça, c'est l'avenir. Ça, c'est les grandes réflexions qu'il faut faire. D'accord. Monsieur Hachim, on a encore quelques questions en suspens. Pas de problème, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Donc, Sadia Asmari, il vous demande comment on peut élaborer un bon plan de risque. Ah ben, je crois que l'approche un peu, il faut la poser autrement. C'est comment élaborer un bon business model. Oui. Parce que quand tu sais, nous, on a les clients qui vont acheter. Parce qu'il y a une mécanique. Il y a le premier. Mais بعد شنو هو le produit ديال كي داير la valeur que tu apportes. Et quand on discute produit, راه il y a des gens qui beaucoup de gens qui se trompent pour l'idée ديال le projet. Il y a une méthode qui s'appelle la méthode dure, c'est il faut aller chercher un problème, une souffrance عاد بنادم يشري منك. واحد درات الدرسة راه غيمشي للفارماسي يقلب على الدواء ديال الدرسة باش يهمد لا دولور ديالو. واحد باغي تقول له بانه maintenant, je vais te donner un produit pour t'épanouir par la suite. Il va dire, oui, ça peut attendre. Ce n'est pas une douleur. Une douleur tout de suite. Maintenant, pour moi, dans le cas de mon business, la douleur, c'est ça. C'est les gens ne savent pas quoi faire. Ils veulent faire du business, mais je ne sais pas. C'est une douleur, mais j'ai la proposition. C'est un produit que je vais leur mettre à disposition. Ouais, je fais ça parce que, bon, retraité, j'ai des convictions, j'ai des choses qui m'ont poussé à faire ça. On peut en discuter par la suite. Mais il y a une souffrance, il y a un problème. C'est ça ce qu'il faut chercher. Par la suite, quand vous avez les clients qui achètent, vous avez une solution à des problèmes que vous avez identifiés et vous avez le produit, la solution qu'il faut sous forme de produit, ils vont aller sonder le marché encore. La solution, moi j'ai fait le sondage par exemple de l'affaire que je suis en train de monter, j'ai fait le sondage sur LinkedIn et il y a beaucoup de remontées d'informations. Donc vous allez sonder, mais quand vous sondez et la chose est positive et vous savez qu'il y a des clients qui vont acheter, alors vous faites le business plan là pour aller chercher le financement auprès de la banque ou et pour bien sûr mobiliser la cohésion de l'équipe, etc. Vous tracez un peu une ligne droite pour aller essayer un peu de faire votre business. D'accord. Mais il n'y a pas de plan de risque. Le plan de risque, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est que vous n'allez faire une chose que vraiment quand vous êtes sûr qu'il y a une partie qui est risquée.
une partie qui est risquée. Alors, un exemple, maintenant, je suis sûr qu'il y a un problème, il y a des gens qui ont une souffrance, j'ai le produit qu'il faut, mais il y a un risque, dire la concurrence, je ne peux pas le maîtriser. Ils peuvent, déjà, la concurrence existe, ils peuvent me causer un problème. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais considérer ce risque et je vais engager des fonds à concurrence de ce que je peux accepter. Si ça ne marche pas, j'accepte parce que je vais me faire 50 000 c'est pas grave. Bah, je n'ai rien. Ça, c'est l'approche du risque. Mais je dis, tu quel est le risque que je vais le cerner? Tu ne peux jamais savoir s'il y a un risque. Parce que quand tu vas dans la réalité, tu vas à l'encontre du marché, il y a l'environnement, il y a des choses qui changent, il y a l'adaptabilité, il y a beaucoup de choses. Tu prévois le business plan et tu te heurtes à des choses qui te sortent à gauche et à droite et qui font qu'ils te posent des obstacles. Et c'est ça la force de l'entrepreneur, c'est celui qui s'adapte, etc. Mais toujours utile, on tient beaucoup. Jeune ou pas jeune, le risque a dit la meilleure méthode. Je trouve qu'il a dit dire comme risque acceptable. Tu acceptes de perdre autre Allah, mais après avoir un bon produit, après avoir être formé, avoir un état d'esprit, bien câblé réussite, avoir des soft skills, il faut les travailler pour savoir dialoguer avec les gens, maîtriser ses émotions, etc., pour essayer un peu d'être créatif, etc., etc., avoir l'intuition et tout ça, c'est des soft skills qu'il faut développer. D'accord? Et les hard skills, là, vous pouvez recruter des gens, donc si les qu'est-ce que tu ou qu'est-ce le finance ou qu'est-ce le marketing, j'y vais faire mes trucs. Il n'y a pas que tu c'est pas nécessaire. Il faut pas avoir de complexe. Moi, j'ai pas fait de comptabilité, je n'ai pas aucun complexe. Dire l'affaire, j'ai un comptable, mais ce qu'il faut, c'est l'état d'esprit. Il faut avoir de l'agilité mentale et avoir aussi les soft skills qui sont très importants. Donc, la question suivante de Monsieur Odetar, comment pourrons-nous s'élancer dans l'immobilier alors que notre formation est assez loin de ce domaine? Alors, bonne question. D'abord, il y a des règles, bien sûr, pour faire l'immobilier. Et ça s'enseigne, il y a des cours qui se vendent, comment choisir le bien, comment aller acheter le bien qu'il faut, comment l'aménager, qu'il y a plusieurs, ou est-ce que vous faites la location saisonnière, ou est-ce que vous faites la location longue durée, ou là, vous retapez un bien pour le revendre, etc. Il y a beaucoup de possibilités dans l'immobilier. Mais, quelque chose qui est traditionnel, les fiches de l'art. Et les gens qui ont de l'argent ne savent pas quoi faire, ils cherchent un terrain, mais ils cherchent un appartement. Ma amour, ça fait. Oui. Donc, l'immobilier, c'est vrai, il y a des techniques pour ça, il y a des choses. Moi, je connais beaucoup de formations et de gens qui font des formations, comment faire l'immobilier, comment réussir l'immobilier, comment acheter, le prix, les trucs pour faire l'aménagement, combien ça va coûter, la location, wesh saisonnière, wesh longue durée, wesh. Il y a beaucoup de choix, l'immobilier. Mais c'est toujours rentable. Un TRI, un taux de rentabilité interne de l'immobilier qui est très élevé, comparé aux autres. Et quand on parle de taux de rentabilité interne, c'est un truc financier, on se compare au coût de l'opportunité du capital, un secteur. Si le secteur de l'agriculture, par exemple, rapporte 15% ou le 10%, le secteur de l'immobilier rapporte jusqu'à 25-28%. Vous voyez, un TRI très élevé, un taux de rentabilité interne. Je crois s'il y a des gens qui ont des questions, je suis très actif sur LinkedIn, je peux répondre avec plaisir, il n'y a pas de problème. L'expérience, on va la partager, il n'y a aucun problème. L'axe, au lieu de prendre sa retraite et aller passer dans des cafés ou la perdre du temps, non, moi je suis plus motivé que quand j'étais salarié. Parce que quand même, vous donnez de la valeur. La valeur sur BK Aoud, Fkulchi, la Fluidat, ou la Fkulchi, ou la Arzak, ou la Fkulchi. Donc, ça, c'est l'ABC du business. Vous créez de la valeur et ne pensez pas à l'argent et l'argent va venir tout de suite. Moi, j'ai déjà ma retraite, je suis bien payé, alhamdoulilah, je n'ai pas de problème. Mais s'il y a des, pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il y a des gens qui sont intéressés, je peux les aider. Moi, j'ai fait une conférence, je l'ai faite à une école de business, CESTAC, ou une école africaine, mais elle est domiciliée à Dakar. Les gens n'en revenaient pas. Il y a des gens qui continuent à me solliciter. Ana bghit ndir hadi, bghit ndir bhal smit hadak le truc li kay sur l'internet ou Michel Liam, je les conseille. Je les conseille. Quelqu'un veut faire par exemple un projet, je le conseille. Il y a des gens qui veulent commencer à, par exemple, se passionner par la cuisine, ils veulent faire des plats spéciaux, etc. Ils commencent la famille, mais ben tu as un goût de voilà, ça va, ça marche. Alors dès qu'un chien naze, je les sollicite ou qu'un chien m'aide à être dans le sort, tu as un goût de sortir, tu as un goût de sortir.
Allô? Vous D'accord, m'entendez? oui, bien sûr. Donc, nous Bon, allons finir avec la question. انا قلت لك Oui. غير بور تيرميني هادشي اللي قلت هذاك السيد هذا تنقول ليه مثلا قالت لك هذيك السيده غنمشي تتقضى في السوق تنقول لها علاش غتمشي مع الكليان اللهم سير تقضي انت وتو فيت لا اون في دو لا فالور سي عبد الله جو لو سالو ابو درير سان غران مسيو ان انسينيون في لينا Oui, en tout cas, nous allons finir avec la question du directeur adjoint à la recherche, à la coopération et au partenariat à l'INA de Meknès, Monsieur Abdullah Aboudreb. Donc, sa question est la suivante. Que recommandez-vous à nos jeunes lauréats, l'entrepreneuriat individuel ou collectif? C'est une très bonne question parce que normalement dans les écoles, l'enseignement, moi je sais ce qui se fait certains pays au pays ou les États-Unis, c'est les cycles, les masters ou les bachelors qui font l'innovation entrepreneuriale ou l'entrepreneurship. Ils apprennent aux étudiants à se mettre en groupe, à travailler sur un projet, d'accord? Et par la suite, ça peut se transformer en business. Seulement, la question qu'il faut poser, est-ce qu'on va faire un business à 3 ou à 4 ou à 5? C'est pas possible. Moi, sincèrement, parce que on ne peut pas décider à 3 ou 4 ou 5, il va y avoir des interférences, les avis sont différents, l'être humain il est différent, la vision est différente. Donc, si on se met à 2, grand maximum 3, ça va. Sinon, l'idéal, c'est de se mettre tout seul. D'accord, l'entrepreneur individuel, et là, il faut aller s'entourer. Et je sais qu'il y a des laboratoires de recherche maintenant, et il y a des incubateurs qui accompagnent les jeunes. Je les salue, je les encourage. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on va devoir arrêter. Il est déjà 23 heures. Donc Ouais. on vous remercie beaucoup, Monsieur Jamal C'est moi, Nesim. c'est moi, c'est moi. Et aussi, on adresse un grand merci à Monsieur Mani Mohamed qui est toujours dans les coulisses. Il est chargé Oui, oui, oui. C'est Mohamed, Allah yعطيه الصحة. الله يعطيكم الصحة كاملين. Merci Parce que beaucoup. Donc, sincèrement, organiser ça comme ça, c'est pas mal, hein. C'est pas donné à n'importe qui, sincèrement. Et ça, c'est coronavirus qui a fait ça. Emmener les gens, vous rendez service à vos étudiants, mais à vos collègues, c'est bien, c'est bien. Et ça, c'est une organisation qui demande beaucoup de choses. C'est pas facile, hein. C'est pas donné à n'importe qui. Je vous salue et bravo, hein. Bravo l'entier, voilà c'est Othman, voilà c'est Mohamed, voilà les autres qui relèvent du cercle des élèves ingénieurs de l'ENA. Merci beaucoup, monsieur. C'est Donc, moi. on remercie Merci. également nos chers téléspectateurs et on vous promet tous et toutes de faire intervenir de nouveaux invités avec de nouvelles thématiques, bien sûr, dans les semaines qui viennent. Voilà, merci à tous et à toutes et C'est moi. bonne fin de C'est soirée.